Allez, bon. Donc, c'est un jeu de Strange Truc Studio, là. J'ai un truc Steam devant, j'arrive pas. Strange Shift Studio, fait par une seule personne. On va y jouer à la manette. Le jeu coûte 20 balles sur Steam. Paramètres. Raccourci guide et réglages langue français. Il est en français, ce qui est un gros plus pour un jeu solo dev. En plus, bravo d'avoir fait la traduction. C'est peut-être fait sur Google Trad, on s'en fout, mais c'est déjà bien. Nouvelle partie! Vous essayez de vous concentrer, mais votre esprit ne cesse de s'égarer, un sentiment de désorientation totale vous envahit, vous laissant égaré et confus. Vous sentez que vous devez retrouver votre chemin et vous éveiller. Il vous faut maintenant trouver votre chemin, d'une manière ou d'une autre. Pour faire pivoter la caméra, utilisez le stick droit. Pour déplacer le personnage, utilisez le stick gauche. Ouah. Pour sauter, appuyez sur A. Wouh! Wouhou! Ouais! Allez! Wouhou! Aikiliu jeune, arrêtez de me comparer à Aikiliu. Je ne lui ressemble pas du tout. Ça me casse les couilles. Bref, pour sauvegarder, appuyez sur X. Je peux sauvegarder hein? Oh, j'ai prié. Attends, non, c'est pas X du tout. C'est un reset que je viens de faire. X. Oh, je crois que j'ai sauvegardé. Bref. Ok, attendez, je vais mettre mes lunettes pour y voir mieux. C'est fort le son! Ok. Je vais baisser. Je baisse le son. Tout le monde dit que tu ressembles à Aikiliu. Enfin, tout le monde, non, mais j'ai eu quelques commentaires là-dessus. Il faut arrêter un peu, s'il vous plaît. En même temps, on me dit que je ressemble vraiment à n'importe qui. Hein. Il y a eu un commentaire il n'y a pas longtemps, tu ressembles à Norman sur une vidéo. Faut aller se faire foutre. Hein? Wouhou! C'est pas mal ça. Vous pouvez grimper sur certaines choses dans le monde. Pour essayer de grimper, maintenez la gâchette droite enfoncée. Une fois que vous grimpez, appuyez sur A pour sauter de l'arbre à la plateforme suivante. Oh, c'est comme Jusant mais avec une seule gâchette. Il n'y a pas besoin de faire gauche droite, mais bon. C'est pas mal, c'est pas mal. Youhou! Oh, j'ai sauté. Wouhou! Utilisez ces points de contrôle pour sauvegarder votre progression. Ok. Wouhou, j'ai sauvegardé. Ok, donc c'est un mélange entre Jusant et un truc genre Getting Over It. Ou c'était quoi le jeu à la mode là sur Twitch où fallait grimper super haut et qu'on se cassait la gueule pendant un temps. J'ai pas lu, il a dit quoi? J'ai pas lu, il a dit quoi? Oh waouh! Je suis aveugle en fait. Je suis un petit bébé aveugle. Only up, exactement. Est une enfant, bien sûr. Bonjour. Je dois aller sur l'arbre, c'est sûr. Oh, l'arbre, il bouge. Lorsque vous approchez de quelque chose, vous pouvez escalader. Attends, je suis tombé dans le vide, là? Dans le sol? Non. Jauge d'endurance, ouais, grimper, sauter, surveiller là, pour combien d'endurance il vous reste? Ouais, ouais. Gâchette de droite. Ok. On va sauter, grimper. Reposez-vous pour reconstituer votre endurance. Oula. Oh, waouh. Oh shit! Oh! Y'a des grosses bestioles! Oh, je peux sauter! Ah merde, je perds de l'endurance! Je vais tomber! Je vais tomber! Wouh! Oh le momentum! Merci le poulpe! C'est un calamar ou un poulpe? J'en sais rien, je suis nul en animaux. Big boy. T'imagines, il est aveugle, il sait pas du tout sur quoi il vient de grimper. Je peux grimper là ou pas? Non, je peux pas. Ok, ça a l'air d'être un rebord de niveau ou je sais pas. Oh! Attendez, y'a un truc là qui brille. Je prends des dégâts de chute ou pas? Wouh! Aïe! Ah, j'ai bobo. Ok. Si vous mourrez... Joyeux anniversaire. Oui, il bug. Pourquoi il bug? Pourquoi il bug? Bug pas? David! David, qu'est-ce qui t'arrive? Ressaisis-toi, David! David! Mais il a disparu, il est parti! Mais. Mais David! Reviens! Attends.
Qu'est-ce qui se passe? Ça va, David? Je peux pas rejouer l'alerte. Merde. Attendez. C'est cassé. Mais Stream Elements, c'est pété. David a fait un AVC. T'as tué David, encre de sel. T'as tué David. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, je la rejoue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais Stream Elements, ça déconne des fois. Hein. C'est... Faut pas leur en vouloir. Attendez. Merci pour les 1 an, encre de sel. 1 an ou 2 ans, du coup? Merci pour les 1 an. Chatbox, non, c'est pas ça. Streaming Tools, Overlays. Boom, alerte. Alerte! David est mort! Et celle-ci, elle fonctionne. Merci, Tchal! Attendez, je remets David. Il était cassé. On va voir si ça marche mieux, si je le trigger moi-même. David, what happened? David, are you okay? Are you okay, David? Subscriber alert. Variation setting. Un an, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oui. Joyeux anniversaire. Ah, on l'entend double. Joyeux anniversaire. Il bug! L'abonnement à ma chaîne. Il est full bug! Joyeux anniversaire. Pourquoi ça me tue de rire? Je veux qu'il marche jusqu'au bout. Ça, c'est... Attendez, je réessaye. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. D'abonnement à ma chaîne. Joyeux anniversaire. Voilà. Bizarre. Bon, on y est arrivé quand même, ça va. Merci encre de sel. Merci Tchal pour le sub offert à Gdul, premier du nom. Ok. Si vous mourrez, une pierre sera utilisée pour réapparaître à votre dernier emplacement. Si vous n'avez plus de pierre, vous retournerez au dernier point de contrôle. J'ai 4 pierres. Où est-ce que je dois aller? Cours! Il est pieds nus. Il suit les enseignements de Yannick Noah. Hus! On peut pas s'accrocher. Adieu, monde cruel! Oui, oui. Pourquoi je pouvais pas m'accrocher? Pourquoi je peux pas m'accrocher? On peut pas s'accrocher aux parois. On peut s'accrocher que au truc. Attendez. Ah, ok, je pense que je prenais juste le mauvais chemin. Je pense que je dois suivre la mousse. Oula. Ça va pas, Gudule? Il est fou, lui. Il est bizarre, Gudule. Comment je sais ce que je peux grimper ou pas? Là, j'ai pas l'air de pouvoir grimper, hein. Je vais tomber. Hi! Ok. Bon, tant pis, ça doit être en bas, alors. Mauvais endroit, dommage, j'étais monté assez haut grâce au poulpe. Poulupu. Je dois redescendre, là, vraiment? Et hop, l'arbre. Iiii, je vais mourir. Putain, je fais que crever. Je suis un teubé ou... C'est moi qui appuie pas sur le bon bouton? Non, c'est... Mais non, on peut vraiment pas grimper. Attends, quoi? Je suis un débile ou comment ça se passe? Pourquoi je peux pas grimper? Pour l'instant, je peux pas faire les grilles, mais ça a pas l'air grandiose. C'est une merde, Baker. C'est le début! Surtout que je comprends pas en fait pourquoi je peux pas grimper. Normalement je peux grimper. Je vais crever encore! Fin du game. Baker il fait les cris. Il est chiant Baker à faire les cris tout le temps là. Tu peux grimper qu'aux arbres. Mais oui, mais je passe par où si je peux pas grimper? Parce que regarde là ça glisse. Hii! Wouhou! Et là je meurs. J'ai plus de pierre. J'ai plus de pierre, 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 pierre. Faut que je descende. Waouh, 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 waouh. Ils ont engagé un beatboxer professionnel pour faire la musique. Je peux pas essayer d'attraper l'arbre. J'ai réussi. Ok. Ok. Wouh.
Non mais c'est bon, c'est rien, fais pas l'enfant. Allez, avance. Ok. Je peux sauvegarder ici, je crois. Sauvegardons, ok. Là, il y a un chemin. Prenons le chemin. J'ai dû atterrir à un endroit très random. Putain, mais par contre, faut que j'arrête de prendre des dégâts de chute. Salut, papy chêne. On est à Wheel of Green, je connais pas. C'est un truc de hippie. Grimpe, grimpe, bonhomme. Ok. Yes! Non, mauvaise idée. J'ai une très mauvaise idée. Oh, le didgeridoo. Je fais bien. Skrillex a basé toute sa carrière sur ça, hein, il faut savoir. Didgeridoo. Allez. Yes! Ok, ça marche. Il saute pas bien loin, c'est pas Sonic. C'est pas Mario. On va l'appeler Bobby. C'est Bobby. Allez, Bobby! Tu peux grimper sur le champignon, Bobby? Tu peux pas. Bonjour! RT pour capturer? Comment je fais? Attends, RT, c'est quoi RT? C'est ça, hein? C'est le bouton d'attrapage. Ok, je vais t'attraper. Ces petites créatures, poilues, qui courent dans tous les sens, sont à l'image de votre esprit, agitée et turbulente. Cependant, lorsque vous en capturez une, votre esprit commence à se calmer. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander ce que serait de les attraper toutes. Vous voulez être le plus grand attrapeur de bestioles qui ressemblent à des petits cochons. Appuyez sur RT. RT, c'était triste. C'est un capipapa. Appuyez sur B pour obtenir un indice où aller. B. Ah, sympa. Ok, ça va. Je suis plus perdu. Merci le jeu. Merci pour le backseat. Ok. Ah, faut aller en haut. Ah, j'aurais pas deviné. Redis-moi ça. Le chemin pour y parvenir pourrait ne pas se dérouler en ligne droite. Oh là, il y a un gros tunnel. Je crois que je vais suivre le gros tunnel. Hein. Di-di-di-di-di. Ti-ti-di-ti-ti-ti. Quoi, le racisme? Quel racisme? Parce que je l'appelais Bobby, c'est ça? Qui a rien compris. Le jeu, c'est où? C'est au niveau de là-bas. Ok, mais comment? But how? C'est moi, j'ai misplay. Ah. Faut me casser les couilles. Je suis en train de vous lire. Baker le raciste. Faites des threads sur Baker, des threads Twitter. Par pitié. Il faut expose cette fraude. Ok, c'est bon. Il a des écailles, l'arbre. Je le soupçonne d'être en réalité un reptile. De type serpent. Les serpents sont-ils des reptiles? Ta gueule, le corbeau! J'essaie de parler! J'essaie d'aimer un stream, moi. Putain, j'en peux plus! J'en peux plus. J'adore les oiseaux, hein. Mais j'en peux plus des oiseaux en ce moment. Il y a des mouettes qui me réveillent le matin tôt. Et aussi, ça fait 2 jours d'affilée que je me fais réveiller le matin par des pigeons qui baissent sur ma fenêtre. Genre, ils se passent le mot, ils se disent hey, « Eh, c'est la fenêtre où baiser, là. » Sur cette fenêtre là-bas, là, grosse baise. Eh ben, c'est pas ma faute, Gugule. Oh, c'est tout brillant, là-bas. Je pense qu'il faut aller là-bas. Oh, mais c'est immense, en fait. What the fuck? C'est gigantesque. Vous pouvez toujours revenir au dernier point de contrôle en maintenant Y enfoncé. Ah, si je me trompe de chemin. Je pense qu'il faut aller vers l'endroit doré, mais par où? Par là-bas? Par là-bas? Faut aller vers là où il y a des arbres. Ok. Je pense que... Le jeu... Si j'étais développeur, où est-ce que j'irais? Où est-ce que je ferais aller le joueur? Par là-bas, non? Ah, je vois une racine là-bas, ouais, on peut grimper. Il est beau le jeu, dites donc. Ça va en vrai, hein. Faut se dire que ça a été développé par un seul bug, hein, aussi. C'est sympa, hein. Bon travail, bravo. Je peux grimper là ou pas? Ah, faut contourner. Oh, il y avait un trou. Ok. Hiss! Non, non!
Tombe pas, Bobby. Accroche-toi, Bobby. Ok. C'est bizarre, les... Oh là là, incroyable. Ah, faut servir du momentum. Comme dans Sonic. J'ai la ref. Par contre, il... il ragdoll si vite, Bobby. Ça va aller, Bobby. Putain, faut que j'arrive à monter là-haut, là. Comment je fais? Je vais jamais y arriver. J'aime bien la patte graphique, elle est cool, hein. Les graphismes sont vraiment pas mal. Oh. Oh. C'était là depuis le début. Pas du tout par là. C'était par là. Et là, on va accéder à la racine. Pas du tout. Mais pourquoi on peut pas grimper? On est d'accord que le jeu est pas fait pour que je grimpe les murs. C'est pas un bug que je puisse pas grimper les murs. C'est le jeu qui est pas fait pour grimper les murs. Ça me dit en bas. Ok, je vais en bas, attendez. C'est peut-être moi qui m'ai trompé. Et là, ça me dit en haut. Attendez, mais c'est peut-être ça alors, juste. Mais non, on peut pas. Bobby, accroche-toi. Bien sûr qu'il ragdoll, il a 12 ans. Il est trop con pour s'accrocher, Bobby. On peut pas s'accrocher aux champignons. Ah, peut-être qu'on peut s'accrocher aux champignons un peu plus haut. Parce que la base a l'air lisse, mais le reste, le bout... Non. Ou alors je l'ai mal fait. Le jeu me dit d'aller où? Oh. Attendez, quoi là? Là-bas, là? Ah, faut que je descende peut-être alors. Descendre pour mieux monter? C'est ça? Ah bah là, comment je remonte? Là, je suis baisé. Cours, saute, suis la lumière. Bobby, tu vas faire un grand jump. Ça va bien se passer, t'es pas mort. T'inquiète, tout va bien, t'es pas mort. Ah mais attendez, mais la lumière continue de fou loin en fait. Bon, c'est pas ça. Je comprends un peu. Ah, peut-être faut passer plutôt par là alors, par le truc qui est en face. Ah, il y a un petit animal. Ça doit être ça. Moi, j'aime bien les animaux. Les petits chats, surtout. Oh, il y a un autre animal ici. Le corbeau. Le corbeau et le renard. Ah non, c'est pas du tout un corbeau, c'est juste un tas de pierres, d'accord. Suis le capybara. Je vais faire ça. Je vais suivre le capypapa. Par là. Attendez, parce que ça glisse. Faudrait pas que Bobby se casse les chevilles. Doucement, Bobby, doucement, tout doux. Tout doux. Oui. Aïe. Oh, ça me fait rire, ça devrait me frustrer, mais ça me fait juste rire en fait. Ouah, moi. Et puis le didgeridoo après. Le didgeridoo. Après une mort, c'est incroyable. Hein. Zgibili, waouh, 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 waouh. On a tout un lore en fait. Bon, alors faut descendre par là. Ah, mais c'était peut-être ça. Attends, mais c'est de là où je viens, ça ou pas? Il y a un truc à bouger là-bas au fond aussi, on le voit. Mais bon. Allez, descendons par là. Bobby, tout va bien. Ça va, tout va bien aller. Oh, Bobby s'est pété la cheville, il court pas vite. Attends, mais ça mène à quelque part, ça ou pas? Mais attends, mais c'est super dur. C'est juste un gros cul-de-sac. Oh, ça me rappelle un truc que j'ai vu ce matin. C'est mon trou de balle, pas du tout. Ça me rappelle un tweet que j'ai vu ce matin. Des gens qui font de la spéléo là, genre qui vont dans des grottes et tout. Il y a un bug, il est mort parce qu'il s'est encadré la tête la première dans une toute petite crevasse et il s'est coincé, il a jamais réussi à sortir. C'est horrible. C'est horrible. C'est vraiment mon cauchemar. C'est mon giga cauch. Vous savez que j'ai déjà fait ça en plus, je suis déjà allé dans des crevasses et tout machin, j'avais fait ça en colo, je crois. En colo ou en classe verte, genre en sortie, quand j'étais au collège. Horrible. Bon, sauf à un moment où je grimpais une crevasse, une crevasse assez fine, et je grimpe, je passe, et puis il y a mon pote derrière moi qui est un peu plus costaud qui passe, il y a son pied qui glisse sur un truc, et il se coince dans la crevasse et il fait « Je suis coincé !» Et ça m'avait fait rire à l'époque. Je sais, voilà.
Bien sûr, on l'avait pas laissé crever ici. Ça aurait été con. Bon, par contre, moi, je vais crever ici, hein. C'est sûr, hein. Wouh ! Meurs, Bobby ! C'est trop marrant, le pote qui meurt et tout, là. Il est bien décédé, là. Nulos. Il avait qu'à mieux grimper dans les crevasses. Bon, le jeu, tu vas souffrir, je pense, à cause du level design. Ben... Ça a l'air d'être fait pour, hein. Ça a l'air d'être un jeu à la Getting Over It, mais où faut vraiment encore plus essayer de capter par où faut passer, en fait. Tu passes plus de temps à essayer de comprendre où faut passer, je pense. Oula. Que à passer. En fait, je pense surtout aussi que le système d'auto-guidage, là, qui me dit va par là, il est pas précis, hein, en réalité. Enfin, il me donne une idée générale, mais il me dit pas exactement où je dois aller. Ah, mais c'était ça, en fait. Regardez, je devais juste aller là, je crois. Mais là, c'est, en fait, c'est trop bizarre parce que le but du jeu est quand même de monter. Et j'ai l'impression de descendre la plupart du temps, c'est bizarre. Genre le poulpe m'a emmené J.I.A.O. Peut-être en vrai c'est ça, peut-être j'ai juste réussi à choper le calmar géant là. Et il m'a envoyé Mega-O alors que j'étais pas censé aller aussi vite. C'était peut-être pour les speedrunners, hein. Je sais pas. Attendez, mais non, mais je suis arrivé par là ou... Je sauvegarde, allez hop. Et là le jeu me dit de retourner là-haut. Attends, quoi? Il me dit allez. Attends, redis-moi ça. Zoom, zim, zoom, 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 zoom. Zoom, zem. Dans ma benz. Ok, non. Peut-être par là. Attendez, on va regrimper. On va sauter pour grimper l'arbre. Hiss! On va passer sur l'autre chemin. Qui a l'air d'être celui où le jeu veut que je passe. I! Aïe. Ok. Je fonce. Il n'y a pas de arrêtez-moi. Oula. Allez. Ok, c'est tout fin. Oh, j'ai un caillou. J'ai ramassé un caillou, je l'ai même pas vu. Ou alors j'ai plus qu'un caillou. Oh, j'ai failli glisser. Regardez, je ramasse un caillou. La beuteux, la beuteux. C'est même pas ça la chanson de caillou, je sais plus ce que c'est. Les brechis. Les bruchis. Oh, y'a un capybara, mais attends, mais je vais pas sacrifier ma vie pour un capybara. Je suis pas le Urban Rescue Ranch, là. Yeah. Ok, je l'ai eu. 2 sur 50, allô. Le jeu coûte 20 balles, oui. Mais il les vaut, hein, je pense, en vrai. C'est pas parce que t'es nul au début et que tu comprends pas où faut aller que c'est un mauvais jeu. Hein. Je voulais voir si je lâchais prise et que je reprenais prise et je pouvais gagner de la stamina à l'infini. J'essaie toujours de craquer les jeux, bien sûr. J'essaie toujours de casser la méta. Je suis un petit peu HPI. Je suis un petit peu comme Skyheart, pas du tout. Oh putain, la phrase de con. Oh là. Allez, on monte. Je grimpe. Faut que je me repose de temps en temps. L'arbre a ses petites aspérités qui le permettent. Donc c'est bien, on est à l'arbre où je voulais être tout à l'heure. Maintenant, le jeu me dit quoi? Il me dit qu'il faut que j'aille en face. Non, en bas. Mais non, mais je veux pas aller en bas! Casse les couilles. Attendez, si je saute de l'arbre into le champignon, est-ce que je vais rebondir? You! Non, j'ai pas rebondi. Bobby, fais un effort, rebondis! Comme dans Mario. Boing, le champignon. On va recommencer, du coup. Yeah. Ah, ou alors, attendez... Sauter de l'arbre depuis le champignon pour venir ici pour monter là-haut. Ou alors, aller là-bas. Vous pouvez toujours revenir. Mais je sais que je peux revenir. Un jeu contemplatif assez court sans rejouabilité. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un seul niveau. Hein. Il y en a plusieurs des niveaux. Donc il est pas si court que ça, je pense, en vrai. J'ai vu, il n'y avait pas beaucoup de commentaires sur Steam, il y en avait genre 2. Il y en avait un, c'était... le jeu est sympathique, machin, n'hésitez pas à voir ma review sur ma chaîne YouTube. Le mec a fait une vidéo de 2 minutes pour dire... c'est bien, on grimpe avec ces boutons-là, machin et tout. Et c'était marqué sur la review Steam, jeu remboursé. C'est-à-dire que le mec, il a joué une heure, il a fait sa vidéo, sur le premier level peut-être, et il a remboursé le jeu. Il a juste pubé sa chaîne YouTube dans la review du jeu. Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Faites un effort. Soyez plus respectable que ça quand même. Par pitié. Et donc là j'ai une sauvegarde, ce qui veut dire. Ce qui me dit papa. Est-ce que je dois aller là? Je peux plus remonter si je vais là. Attends, l'arbre m'a drop ici. La sauvegarde était plus haut, donc en fait faut que j'aille plus haut. Une paye refund tout le temps. Le temps de faire des reviews, ouais c'est ça. Mais bon, en moins de 2 heures, t'as pas trop le temps de review un jeu, quoi, c'est bizarre. Tu peux pas passer, Bobby, hein. Ah si, tu peux. Ok, je pense que le jeu utilise pas mal cette mécanique de... Tu sautes vers le bas, dans un truc en pente pour gagner de la hauteur. Non, je sais pas. Oh, vas-y, Bobby. Ta gueule, le corbeau, il se moque de moi. Ah, ou alors faut descendre ici. Non, faut monter. Je comprends rien. Quelqu'un comprend? Aidez-moi. Il y a un capybara ici. Est-ce que je peux remonter si je prends le capybara? Il y a plein de capybara ici. Ok. Youhou! Aïe. Oh, tombe pas, Bobby. Oh, il s'enfuit! Il court! Glouglou. Putain, faut que je glouglou. C'est vrai, ça. Bonjour. Hop là, les deux d'un coup. Ah, ils m'ont indiqué le chemin. Oh, faut regarder les capybaras. Les capybaras sont la clé. Ah, ça c'est sus, comme dirait la génération TikTok. Bravo Bobby. Let's go. Ok, on commence à trouver un semblant de chemin. Ok, suivre les capybaras. Regardez les points de sauvegarde. Ne pas écouter le truc qui dit n'importe quoi. Ouais, des fois il dit n'importe quoi, des fois non. C'est la volonté suprême. Jump. Ok, on fait le tour. I. Ok. Il veut pas revenir le gigapoulpe. Je l'ai plus revu depuis le début là. Où est-ce qu'il est parti? T'es là le gigapoulpe? Je sais pas. Ok. Oh, y a plein de trous. Ok. Oh, let's go le jump. Bon, ça va, là je commence à plus ou moins capter les chemins que je dois prendre. Même si c'est pas clair. Et c'est le but, je pense qu'en même temps c'est vraiment le but d'être pas clair parce que en plus ton perso est aveugle. Oh, eh, c'est bien scripté quand même un peu, hein. Là je retrouve des petits frissons de Juzan. Oh, j'aime bien. Oh, j'aime bien. J'aime beaucoup. Oh, viens là que je t'attrape. Je vais t'attraper le tentacule. Hop! Emmène-moi! Bête des cieux! Je vais pas tomber. À tout moment, je m'accroche, c'est bon. Oula, oula, il est fou. Il est tout fou! Ne deviens pas fou. Oh, il va m'emmener au centre de l'arbre. Bobby, Bobby, tombe pas. Je vais tomber. Monsieur le poulpe, je vais tomber! Non. Ok. Il va respawn. Je suis convaincu qu'il va respawn. C'est une partie un peu complexe. Reviens, monsieur le poulpe. Il est où? Il est parti. En fait, je pense qu'il y a peut-être moyen de skipper une partie. Si je me démerdais bien. Mais je m'ai raté, donc faut passer par le chemin normal. Faut aller au centre, là, c'est sûr. Faut aller au centre de l'arbre. De l'arbre pierre bizarre géant. Le décor est stylé en vrai, j'aime bien. Ok. Le début était dur, mais je commence à voir un peu la beauté et à kiffer un peu là. What? Dit-il en tombant dans le vide, telle une grosse merde. C'est quoi le but? C'est ce qui permet de gagner un match de foot. Tu
arrives à rentrer le ballon dedans. Exactement. Bien vu, Trai. Ah, le but c'est de grimper. Hein. C'est clairement de grimper. Oula. Wow. Ok. I. Non. Bon, par là plutôt. Hein. On va remonter. Passer par le chemin de droite. Même si ce n'est pas pour... ce n'est pas pour me faire plaisir, bien sûr. Hashtag politique, hashtag blague. Hashtag c'est trop marrant, ça connard. Non, c'est pas là en fait. C'est par là-haut. Faut que j'arrive à monter par là, ok. Est-ce que je peux sauter là? Youi! Non. Bobby a mal. Hein. Bobby, on ressent la douleur. Oh là là, il boite. Pauvre Bobby. Mais je peux pas monter là. Ah si, je peux. Ok. Oh là là, faut faire des trickshots, vous croyez? Vous croyez que c'est ça? Croyez-vous? You! Non, c'est pas ça. Ok, je croyais qu'il y avait un trickshot à faire. Est-ce que je peux sauter là? Non. Je vois que ça, important. Attends. Vu que c'est en billets. En billets de 500. Ce jeu, je sais plus où je l'ai vu. Sûrement sur Twitter, il a pas mal tourné. Il y a des clips. Oh, bah c'était ça! Oh, ah, fallait faire un trickshot! Attends, fallait vraiment faire un trickshot ou je suis matrixé, genre? Je sais pas si c'est ça que je... En fait, j'ai l'impression, la forte impression qu'il faut passer par là. Ah, ou alors là? Non, il n'y a pas la place. C'est marrant parce que le game design, en fait, est à la fois... A l'air imprécis, et en même temps, ça a l'air quand même précis dans les jumps que t'es pas censé faire. Le jeu te les montre, quoi. Genre, le jeu te dit non, vraiment, Thèse, là, c'est pas, ça passe pas, quoi. Vas-y, bon app, Call of Fox. Ça speedrun un max. Ah, attendez, sur le côté, là. Non, pas du tout. Oh, j'ai hint. Adieu! Wouhou! Reviens, le calamar géant, là, s'il te plaît. Wab 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 wab. Ok, attendez, elle me dit quoi, la volonté suprême? Elle me dit c'est par là. Il faut aller sur ce caillou. Je vais encore me péter les jambes. Et Bobby, il a vraiment très mal très vite. Hein. Il subit pas trop les... Enfin, il aime pas trop les dégâts de chute, quoi. En même temps, il est pieds nus, quoi. Quelle idée, mais des chaussures. Il fait un effort. Ok, on va se retourner sur ce caillou. Voilà, et maintenant ça dit quoi? Ça dit monte encore. Mais putain. Ok, en fait, j'ai capté qu'on ne peut pas grimper. On peut pas s'accrocher au mur tant que y a pas le cercle d'endurance, en fait. Quand je suis près d'une zone où je peux m'agripper, ça me dit agrippe-toi. Donc je peux pas sur les murs. C'est juste de la grimpe. C'est un chemin tout bête, quoi. Ou peut-être qu'il faut que je passe par là depuis le début et je suis un immense connard et ouais, ça a l'air d'être ça. Hein. Ouais, bah. Avant, je cherche compliqué alors qu'en fait c'est méga simple, quoi. C'est l'histoire de ma vie. Hein. C'est l'histoire de ma vie. Ça en dit long. Sur la société. Wouh! Ok. On sauvegarde. En fait, c'est par là. Hein. C'est clairement par là. Il y a un moment où je vais pouvoir glisser, genre là. Oh, trop. J'ai trop glissé. Non, Bobby! Bobby! Oh. Bobby a survécu. Bobby, tu meurs ou pas si je saute là? Tu m'en veux? Je pense que tu vas m'en vouloir. Hein. Vas-y, on va essayer de descendre un peu plus tranquillement. J'ai toujours envie de speedrun, c'est pas bien. Oh, y'a un truc à ramasser. Viens là, le capybara, tu crois? Je crois que je t'ai pas vu. Viens là. Viens tout de suite. Oh, y'en a deux. Oh là là. Oh, je vais vous choper. Viens par là. Je suis en train de m'éloigner totalement de mon goal, c'est pas grave. Hop. Non. Tu viens là. Merde. Tu arrêtes de faire l'enfant, voilà, nice. Ok. Alors. Faut que je remonte. Parce que j'ai fait de la merde du coup. Super. Nice. Ok, c'est par là. C'est par là et. Est-ce que je peux sauter ici? Ah non, Bobby doesn't make this jump, hein. Bobby too small. He's a small Bobby. Ok, par là peut-être alors. Attends, que me dit la volonté suprême? Ouais, elle me dit par là. Hein. Ok, donc faut peut-être que je glisse à l'endroit où c'est le moins haut. Genre là. Bobby.
Gag. Ok. Je suis pas sûr que c'était ça qu'il fallait faire, mais on l'a fait. Wouh! Glisse pas, je t'en supplie. Ne glisse pas. Ah non, ne glisse pas, hein. Tu me déçois, Bobby. C'est dur de se faire à la longueur des jumps. Pitié. Je suis sûr que je peux le faire, ce jump. Putain, je suis sûr que ça se fait. Allez, tu peux le faire. Je vais essayer 10 000 fois. Et ça va être le chemin d'à côté. Mais il y a un truc qui brille en haut. Je veux le faire. Putain, c'est insupportable. Allez. Peut-être en prenant plus d'élan. Presque. Mais en même temps, pas du tout. Youi! Si je gagne de la speed comme ça... Non. Ok, non, bah descendons, hein, tant pis. En même temps, il y a un capybara ici. Attends, j'ai vraiment pris des dégâts. Suivons le capybara. C'était juste là. Bon, globalement, ce qu'il faut retenir, quand ça a l'air compliqué, en fait c'est pas ça, faut faire le truc simple. C'était ça. C'était juste le truc simple depuis le début. Ok, caillou. J'ai envie de sauter dans le truc, mais attendez, on va aller chercher l'autre caillou. Ça me fera de la vie. Il était là, genre. Oui. Hop, allez, on saute. Je crois que c'est le niveau 2. C'est parti. Niveau 1 terminé. Niveau 2. Youi! Oh. Ok, niveau 2. Des choux-fleurs. Puis sur X pour sauvegarder. Pardon, j'ai pas voulu. Oui. Oh, ça brille! Des choux-fleurs qui brillent, de 1000 couleurs. Ah, c'est des niveaux! C'est un hub de niveau, d'accord. Et je les ai pas tous débloqués. Ah, ok, là j'ai 750, donc c'est celui que j'ai fait, celui-là. Et donc celui-là, c'est celui-là qui s'ouvre. Bonjour, non, c'était pas lui, c'était le vert, là. Ok, c'est le vert qui s'ouvre. Nice, c'est tout plein de niveaux. Ok. Bon, en vrai, ça va, on s'en est bien sorti. Oh! C'est le retour de notre pote, j'avais pas vu. L'agitation. Ça me fume que ça voit le jour après Jusant. Par un solo dev, c'est-à-dire qu'il... Parce que c'est à peu près le même genre de jeu, hein. C'est vraiment ce que j'imaginerais de Jusant si le jeu était développé par une seule personne. Oh, il fait un flip. Do a flip. Pardon. Attendez, il y a un capybara. Bon, tant pis. Il faut que j'attrape le poulpe. Viens là. Non. Tant pis. Mais oui, du coup, c'est marrant parce que Jusant, ils ont eu la même idée. Il n'y a pas eu de plagiat l'un sur l'autre vu que les jeux sont sortis à peu près en même temps. À quelques mois de différence, mais... Mais sur ce jeu-là, ça fait des années que le dev bosse, quoi. Waouh. Waouh, wow, on va traverser tout ça là-bas, là. Incroyable. C'est fou. C'est contemplatif. Smite-le. Lorsque vous êtes en l'air, maintenez la gâchette gauche enfoncée pour planer. La jauge d'endurance apparaît. Wouh! Oh, trop bien! Je peux planer avec mon slip! Slip! Ah, c'est genre ma chemise. Oh, j'arrive! Attends-moi! Yee! Non! Planage! Ok. Ah, c'est des jauges d'endurance différentes. Oh là là! Emmène-moi, douce créature! Noble déité des fonds marins. Salut Sorbiou. Pourquoi je te dis salut? Alors que t'es arrivé tout à l'heure. Est-ce que vous croyez que je vais skip tout le level en faisant ça?
Parce que maintenant, du coup, je peux annuler les dégâts de chute en juste déployant mon parachute. Ok, je me suis mis dans un endroit où c'est un peu creux. Non ! Il est en train de me scam. Oh le bâtard, il m'a scam. Il redescend. Gug ! Ok. Merci pour le trip. Allez, Bobby, tu peux le faire. Relève-toi là. Fais pas l'enfant. Il me dit de monter. Faut monter. Faut monter. Il y a un oiseau là-haut. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, il revient ! Youi ! Ok. Fais pas le con, hein. Ne fais pas l'enfant. Ok. C'est incroyable en vrai. Oh là là. Il redescend. Attendez. Non. Oh, il y a peut-être un truc là-bas. Fuck, je l'aurais pas. Non. Ok. Ok, on peut amortir les chutes assez facilement maintenant du coup. On peut faire des jumps assez longs. Ok, par contre c'est... Ok, il tourne en boucle. Donc il faut absolument que je le chope et que j'arrive à sauter au bon endroit, ça veut dire. Yiii. On retente. Allez hop. Saute. Ok, on va se mettre sur sa tête. Non. Non, j'ai raté. Courage Bobby. Et on saute. Stop. Arrête-toi. Ok. Ok, je vais sauvegarder. Ok. C'est là qu'il faut que je sois. Bon, les capybaras, je pense qu'on va laisser tomber. Hein. On tentera le 100% une autre fois. Hein. On va juste aller au bout du jeu. Oh, non, non. Débile que tu es. Bobby. Oh. Non, us. C'est bon. On va revenir. C'est vraiment un try and die, quoi. Il est normal de tomber sur le chemin de la vie. Normal de trébucher. L'important, c'est de se relever. Je chope les cailloux qui est en bas là. Voilà, nice. Oh, Capi! Hop là. Ok, Bobby ne fait pas le con. Putain, t'as fait le con, Bobby. Je te faisais confiance, Bobby. Doudoudoudi. Il va revenir le poulpe ou il est parti là? Ah, il est parti là. So long. Je suis baisé du coup? C'est comment? Ah, je peux revenir au point de contrôle, c'est vrai. Non! C'est vrai. On peut faire ça, donc... Donc là, on est bien. Ok. On va pouvoir sauter. Bon, je l'ai pas capturé, tant pis. On va pas tomber là, parce que c'est là que j'ai perdu tout à l'heure. Ok, l'oiseau blanc, je me demande ce que c'est. Bonjour. Qu'es-tu? Je sauvegarde. Essayez de rester sur la pieuvre et voyez où elle vous mène. Bien sûr, avec grand plaisir. Youi. Ouais. On va tomber là. Tu restes? Non, tu restes comme ça? Ok, c'est bien. Emmène-moi! Noble créature, vas-y. Ok. Je vais où là? Je viens de me péter la gueule, c'est terrible. En fait, dès que je me pète la gueule, je peux switch de barre de stamina en droppant en m'envolant. Elle m'emmène où? En fait, elle veut m'emmener là. Attends, là, c'est là où j'étais, non?
Ouais, là c'est là où j'étais, ok. Je crois qu'elle a fait un cycle complet. On va regarder où elle m'emmène. Là elle descend. Tu vas dans les profondeurs? Tu m'emmènes où là? Non, frère, reviens! Tu vas où là? Il y a un capybara secret. Ok. Tu m'emmènes voir le secret? Mais ça va aller, je n'en ai pas besoin. Bon, je crois que je devrais pas être là en fait. Hein. Je devrais être à l'intérieur des. Voilà. Agrippe-toi, Bobby. Ne tombe pas. Tu m'emmènes où? On va où là? J'essaie de comprendre. En haut? Ah. Elle a l'air d'atterrir quelque part. Tu vas où? J'ai peur. Elle fait un tour complet. Elle fait... Ah. Tu sembles vouloir me dire quelque chose. En tout cas, ça se voit qu'elle fait exprès de me mettre comme ça pour que je puisse... rester en son centre. Et me reposer. C'est très gentil. Attends, mais la pieuvre aussi, elle est aveugle, non? On voit pas ses yeux. Tout le monde est aveugle? Dans ce lore? Est-ce que vous croyez que ça fait un tour complet depuis le début ou ça essaie de m'emmener quelque part et je suis Keblo? Ah! Ok, je pense que le jeu essaie de me dire d'aller là. Parce qu'il y a le... J'ai hint. I have hinted. On retourne sur la pieuvre. Désolé. Elle va aller m'emmener où là? Sur le capybara ou elle fait un cycle? J'essaie de capter. Ah, l'oiseau là-bas. C'est ça ou pas? Quand tu fais ça, tu mets toutes tes tentacules par ici. Ouais. Oh, je tombe! Avec moi. Il y a des racines. J'ai trop peur de descendre en fait. J'aime bien rester dessus, je me sens safe. Ah, regardez ses yeux. Ses yeux sont mutilés, on dirait. Oh! Attends, mais. Elle a jamais fait ça avant. Je descends, on verra bien. Là, il y a une caillasse. Alors, est-ce que je vais dans le bon sens en allant par là ou est-ce que c'est dans l'autre côté? Ah, ça me dit de retourner au dernier point de contrôle. Mais non, ça va. Ah, mais c'est vrai que j'ai ce truc là en fait pour m'indiquer où je dois aller. Ok. Donc là, elle est dans une autre phase. Hein, tout à l'heure. Oh, le gros crâne chauve. Ok, on va sauter ici. Il y a le machin blanc, ok, je sauvegarde. Ok, ça semblait être par là. Elle est partie. Il n'y a plus la musique, elle est partie dans le fog. Et donc faut monter. Ok, montons. Cours! Plein de cailloux par ici, est-ce que ça veut dire qu'on va crever? Je me débrouille bien moi.
Non! Pourquoi j'ai parlé? Wam bam bam wem wem wem. Bon, tant pis, on va descendre, on va se mettre là. Bon, c'est contemplatif, hein. Oh là là, que je contemple. Karma Ed. Et je suis comme ça, dès que j'ouvre ma gueule, je me porte l'œil. Wam bam 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 bam. Ok, point de sauvegarde. Boum. Ensuite, on récupère ce petit caillou. Petit caillou. Ok, ici il veut pas s'envoler, donc tant pis. Ça, les contrôles, on maîtrise un peu. Essayez de rester sur la pieuvre et voyez où elle vous mène. Hein ? Ah, elle est de retour ! Ok, j'arrive. Viens me voir, s'il te plaît, la pieuvre. T'es où ? Please, Cthulhu Senpai. Oh. C'était par là. Viens me chercher. Ok. Oh là. Merde. Je suis là. Vas-y, grimpe. Fonce, chauffeur. Yi. Ok, j'ai deux idées pour le lore. Soit on est dans un monde où la vue a été retirée à toutes les créatures. Et ces créatures géantes, mais aveugles, m'aident à retrouver, enfin à aller vers le chemin pour rendre la vue au monde. Soit tout se passe dans l'imagination d'un gamin aveugle. C'est ça mon idée. Je sais pas encore laquelle est vraie. Aucune, ça se trouve. C'est par là que tu veux que j'aille? Avec ton gros crâne là? On dirait Carlito. Non, c'est pas là? Ah, ça doit être là-bas. Il y a des pierres blanches. Oh, c'est joli. Oh! Ah non, c'est encore plus haut. Oh là là, shit! Oh shit! Oh là là! Faut pas faire ça là, t'as failli m'écraser. Ok. You! Allez, je descends là, moi, salut! Il y a un point de sauvegarde ici. Ok. Oh là là. Eh, je suis très peu mort sur ce niveau. Allez, à plus tard. You. Ok. Point de sauvegarde. Merde, ça a pas sauvegardé. Si. Oula, c'est de plus en plus dur. C'est que le niveau 2, ça, hein. J'imagine pas la suite. Tout petit chemin. J'aurais besoin de la pieuvre là, non? Non, 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 non! Oh merci, Bobby. T'es un ref. Reviens, s'il te plaît! Pieuvre-le-sama! Alors comme ça? Oh là là! Oh là là, c'était ça. Ok. Le petit capybara. Bonjour. Enchanté. Now what? Oh! Salut mon pote! Attends. Pas si vite. Il y avait un monsieur qui jouait du violon dans la rue tout à l'heure, ça me donnait trop envie de jouer du violon. J'ai envie d'apprendre à jouer du violon. Premier truc que j'apprends si je joue du violon, c'est la musique de Wind Waker, de Zelda. J'aime trop le thème. Ok, attendez, il essaie de me dire quelque chose avec son gros crâne chauve.
Tu veux que j'aille là-dessus, j'ai compris, mais... Wow ! Wow, il s'est énervé. C'est parce que j'ai dit gros crâne chauve, pardon. Je le pensais pas quand je disais que tu ressemblais à Carlito, pardon. Ok. Non ! Eh mais il m'emmène loin, hein. Ou alors je tourne en rond depuis tout à l'heure, mais... C'était la fin. Ok. Fallait juste rester accroché, quoi. Nice. Merde, qu'est-ce que j'ai branlé? Attendez. C'est bon. Je suis trompé de bouton. Alors, il est bizarre le sol. Il est pas palpable. Attends, mais je suis dans un gros chou-fleur également, moi aussi. Hein. Bref. Donc, le verre, c'est fait. On s'attaque auquel, maintenant? Le bleu, peut-être? Oh. Allons-y. Oh. La torpeur. C'était quoi déjà le nom de l'autre niveau? Je sais plus. Il y a des trucs qui brillent. Le tropeur, c'est un youtubeur, ça, non? Oh. Chemin secret. Jeu space. C'est le moins qu'on puisse dire. Oh, waouh! Attends, c'est par là qu'il fallait aller? Oh, waouh, il y a plein de rayons de lumière. Je pense qu'ils ont un certain effet. Quel est le but de ce rayon de lumière? Un sur dix. Gurk. Il y a une sorte de gros serpent au milieu. J'imagine que si j'active les 10 trucs, il se réveille et il me porte jusqu'à un autre niveau. Faut que j'active les 10 rayons de lumière, ok. On va en chercher d'autres. Donc il y en avait là-bas. Là-bas, il y en a deux déjà. Gug. Allez, Bobby, ragdoll jusqu'en bas. Wouhou! Wouhou! Ah merde. Ok, si on ragdoll trop, on crève. J'aurais dû me relever. Oupsie. En même temps, fais un effort, Bobby, aussi. I. Ok. Bon, j'aurai jamais les 30. Hein. On s'en fout. Ouh, il y a des patterns snake-like. Ça ressemble à un snake. Snake. Ouh, alors c'est un labyrinthe. Oh! Ok, ok. Sympa. C'est comme sur les boîtes de céréales. Est-ce que je peux faire ce jump? Non, il n'y a pas de jump à faire. Un capybara. Il est marrant. Ok. Par là. Attends, je suis tellement HPI, c'est incroyable ce qui se passe. Donc pas en bas, ça va être en haut pour repasser en bas ensuite. Oula, il y a eu un petit bug. Petit bug visuel. Ah ok, c'est en perspective. Ah, c'est fait pour te brouiller les pistes. Et là, je saute et je suis sur le labyrinthe. Ok. Ah ouais. Est-ce qu'il y a un truc là-haut? Non, visiblement pas. Est-ce qu'on va aller choper le capybara? Bien sûr, même si ça sert à rien. Hop. Ok, maintenant. Je suis désolé pour le bruit horrible. C'est un truc à linge d'un voisin, je crois. Oh putain, ça s'arrête pas. Il me dit d'aller en haut, mais...
Je ne vais pas l'écouter. Ouh. Ok. On va aller par là. Non, j'en peux plus, frère. Hein. C'est bon. Squee. Ok. Là, il y a un truc. Non, je peux pas y accéder. Attends, quoi? Ok, faut monter. Non. Bobby. Oui. Ok. Par là, petit capybara, boum. Je peux pas, tant pis. Il m'a mis une zizou. Il est trop fort. Je me fais mind game par la perspective, des fois c'est fou. Wink wink le voisin, on n'en peut plus là. Ça va pas détendre son linge aussi. Poup. Deux. Ok, plus que 8. Oh my god. Alors. Oh ça va, ils sont pas très loin les uns des autres. Bon, la phase labyrinthe était intéressante. Un coup en vue du dessus, un coup on utilise la perspective, un coup on doit sauter parce qu'on a gagné de la hauteur en fait en faisant le labyrinthe. Pour aller sur les murs du labyrinthe. C'est sympa en vrai, c'est bien pensé. On aime bien. Merde, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Capture ! Je crois que les capybaras, il les a ajoutés juste parce que quelqu'un a dit sur Twitter « Tu peux ajouter des capybaras dans ton jeu ?» Il a fait « Ok. » Je crois que c'est vraiment ça le lore. Ouh, j'aime bien cet endroit. C'est joli, putain, ça fait vraiment... Ok. C'est vraiment inspiré de des serpents quoi. Ça serpente. Comme on dit. Oh. Yui. Viens là. Je t'ai eu. Oh nice. Il y en a un là. Ok, 3. Peut-être qu'il va commencer à se réveiller un peu plus tôt. Peut-être qu'il faut pas les 10. Mais on sait pas. Nice. On commence à maîtriser les mécaniques du jeu, tranquillement. Maintenant. Il y en a là-haut. Pour aller là-haut, je pense qu'il faudrait que j'aille là. Non, j'ai... Oh, j'ai trop là. Je peux ou pas? Oh, non, Bobby. Bobby, tu m'as... Attends, c'est en bas qu'il y avait le serpent, c'était là, ok. Intéressant. Bon alors attendez, est-ce que j'ai la hauteur qu'il faut pour aller là où je veux? Mais c'est pas là en fait, c'est juste ça qu'il faut faire, je suis bête. Out. Yui. Ok, c'était juste ça, tout simplement. Un modo du serveur communautaire Chainsaw Man s'est fait hack. D'accord. Et le cœur pub le serveur Discord Rule 34 de Chainsaw Man. What the fuck? Oh non les gars, je me suis fait hack. Du coup, le hacker poste du contenu sus sur le Discord. Oh là là, il arrête pas. Plot twist, c'est que j'y suis déjà. Oula, bizarre Baker. 5 sur 10. Let's go. Ok. J'ai trop envie de descendre tout en bas et juste d'aller voir le serpent, mais il est pas réveillé. Vous croyez que si je descends sur et que je vais sur lui, il se réveille? Non, faut que j'escalade la montagne d'abord. Ah, oh, ça fait un peu flipper, je sais pas comment dire, je vois un peu un visage. Je sais pas si vous voyez. Les yeux, la bouche. Non, je sais pas. Bizarre. Ok. Où est-ce qu'on va? C'est clairement pas par là, hein? Quoique. Quoique ou B.
C'est vraiment pas ici. On dirait vraiment un arbre géant fossilisé, on dirait Demacia. Mais en giga plus grand. Viens Bobby. Ok. Oula. J'avais pas sauvegardé depuis longtemps en fait. Ça faisait longtemps qu'on me l'avait pas dit celle-là. Oh shit dog. Est-ce que je peux faire... Oh, attendez, je viens d'avoir une idée. Attends, j'attends que tout se charge. Je fais ça. Oh non, c'est dur. Ça passera pas. Je voulais essayer de monter sur le chemin d'au-dessus, mais... C'est compliqué. Alors qu'en fait, on peut juste faire ça. Non, pas du tout. Putain, je vais devoir me retaper le truc, là. Le chemin qui serpente. Est-ce qu'on va voir le serpent vite fait, genre? Vas-y, on va le voir. Wouh! Bonjour. Ça va mon ref? Waouh! Oui! 5 sur 10. Wouhouhou! D'accord. Il est pas d'accord. Il veut. Il veut pas se réveiller tout de suite, je crois. On va aller chercher les petits rayons de lumière. Je suis pas allé par là, je crois. Moins. Ah. Ça me dit rien, ça. Ok. Ah, là, par contre, j'y suis allé. En trichant. Ok. Faut que j'arrive à monter au truc supérieur, mais comment? Mais comment faire? C'est là que je suis un peu paumé. Peut-être pas de ce côté, alors de l'autre côté. Explorons. Ah! Non, ça peut pas être ça. Adieu. Là, c'est de là où je viens. Et donc... Ah, peut-être là-haut. Peut-être par là. Ok, il y a un jump à passer. Ok. Oh, il y a un capybara. Ok. C'était par là. C'était sûr. Non, j'ai raté un jump. Est-ce que je peux remonter? Merde. Oui. Ok. Tout va bien. Viens ici, Capi. Non, je suis une merde. Adieu. Ok, nice. Heureusement, on revient pas très loin. Oh, c'est fait exprès pour te baiser, hein, ces petits trucs de cailloux, là. Bon, je suis attaqué. Salut The Bananas. Comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue. Vous étiez sur quoi? On est sur un jeu de grimpette. Et du coup, on grimpe. Wouh! Aïe. Ok. On grimpe une grosse montagne dans le but de réveiller un gros serpent. Que je sais. Faut que j'aille vers les rayons de lumière. Est-ce que je peux grimper là? Oula. Des cailloux, c'est des vies? Ouais. En gros, c'est des respawns au point de contrôle pas loin. Genre, en gros, ça me respawn de là où je suis tombé. Tandis que si j'ai plus de cailloux, je respawn, mais à mes derniers points de sauvegarde qui étaient plus loin. Attends, mais je peux pas aller là en fait. Y'a un mur invisible ou un truc, quoi. Ouais, alors qu'en fait, faut juste aller là. 6 sur 10. Ok, donc ces trucs-là activent le serpent qui est en bas. Mais il m'en manque, là, je vais pas descendre, quoi. Ou alors peut-être qu'à 7 sur 10, il commence à se réveiller et qu'il se repose un peu plus tard.
maintenant. Ok, c'est bon, je suis pas mort. J'étais sur Supermarket Simulator. Putain, y'a tout le monde qui joue à ça en ce moment. Ça doit être addictif de fou. Tu te réveilles, monsieur le serpent, ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Mais ça a l'air d'être fait pour que j'aille le voir, hein, quand même. Du coup, je me demande. Ou alors, fallait vraiment que j'aille beaucoup plus haut, mais j'ai l'impression que les autres points de contrôle sont vraiment beaucoup, beaucoup plus haut. Aïe, je me suis bien pété la gueule. Ah non, il y en a un pas si loin, en fait. Si je vais le voir, qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce qu'il va m'envoyer péter? Il y en a un qui est là-bas, qui suit un chemin sinueux. Bonjour. Non, il veut pas, y a un mur invisible. Fuck. Ok, faut qu'on aille là, c'est le prochain. Et pour ça, je pense que c'est par là. Celui-ci, non, il mène à rien, donc celui de gauche, je dirais. Attends, y'en a un qui descend encore plus bas là de chemin. What? Où ça? Là? Non. Ça peut pas être ça. Ok, on monte. Alors. Saute! Bon courage, je te laisse, j'ai des bugs avec la box et le coupe. Ah merde. Bon courage à toi pour tes bugs. Ok, j'appuie sur X. Ok. Bon là pour l'instant faut suivre le chemin, c'est pas très compliqué. Non, par là. Au moment où je dis ça, évidemment, ça devient plus complexe. Un capybara, vite! Viens là! Ah, je t'ai eu. Tchou! Ok. Oh, le chemin est long sur la route du serpent. Ça, ça me fait penser à Dragon Ball. Quand son Goku, il meurt, il doit se taper toute la route du dragon, là, ou je sais pas quoi. Alors, plusieurs chemins. Un qui mène rien. Non, pas du tout. Qu'un seul chemin, en fait. What the fuck. Salut Delgren. Je viens de YouTube. Merci pour toutes tes vidéos. Histoire de champion. Je me les fais toutes en ce moment. Ça m'aide à dormir. Merci beaucoup. Putain, on en parlait avec ma copine. Je me disais, il y a des gens qui disent qu'ils mettent les histoires de champion pour s'endormir. C'est marrant. Il y en a d'autres qui les mettent pour sur le trajet du taf aussi, je crois. J'ai eu des commentaires comme ça. C'est marrant. Bah, il y en a une qui arrive ce week-end, d'ailleurs. Une nouvelle. Wow, 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 wow. Non! Ok, c'est bon. On revient pas loin. Wab, 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 wab. Bienvenue à toi, en tout cas, Delgren. Eh ben, ce n'était pas là. Par là, peut-être... Ah non, mais c'est là où j'ai chopé le capybara tout à l'heure, ça. Qu'est-ce que j'ai branlé? Ah, fallait monter plus haut. Attends. What? Qu'est-ce que j'ai raté? Alors on essaye, hein, Delgren, on est là. On ira jusqu'au bout. Au bout, mon petit. Ok, attendez, je suis remonté. Et là, le truc, c'est que ça me fait redescendre après. Ah, ce chemin me fait redescendre, mais je peux décider de descendre par là. Ou de sauter. Attends, si je saute. Non, ok. On peut monter là, par contre. Et ça continue de monter ici. Ok, nice. Nice. Il y a un point de sauvegarde. Nice. Ah, je sais pas si ce chemin, je devais le faire au tout début du niveau. Et que je l'ai raté juste. C'est peut-être ça en vrai. Parce
parce que je suis parti à un tout autre endroit. Oh, ok, il y a un point ici à choper. Faut que j'arrive à aller là-bas. Mais comment faire? Attends, mais je suis rendu où là? Est-ce que je saute là-dessus? Je sais pas si je peux, hein. Ah, il saute pas assez haut, Bobby, hein. Ok, j'ai rien dit. Bravo, Bobby. Là, je pourrais pas, par contre. Ça me servait à rien de faire ça. Putain, c'est compliqué. Ça monte, là? Oh, le labyrinthe de zinzin que c'est. Oh. Attends, mais c'est le point de départ. C'est là où je suis arrivé au spawn, non? J'ai l'impression. Ou pas. Peut-être pas, en vrai. Il est où le point de contrôle que je voulais choper? Elle est bizarre, cette montagne. Space. Ah, là, c'est là où j'étais tout à l'heure. Yes. Ok. Attends, le chemin me dit d'aller où? Le guide. Vers le bas? Ah bon? Comment ça? Redis-moi ça. J'ai envie de faire confiance, mais... pas trop en même temps, quoi. Non, tu vas pas me dire de descendre en bas, là. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Ah, mais attendez, c'est juste là, en fait. The Maze 4. Ah, c'est vraiment un giga labyrinthe de zinzin. Ok, nice. En v'là un de plus. Oh. Boum. 7 sur 10. Donc, il en manque 3. Il manque 3 machins. Il y a un point de contrôle. Ok, ça continue, donc c'est que c'est par là. Ouais, ça m'emmène sur le flanc de la montagne que j'ai pas pu voir pour l'instant. J'ai failli tomber. Oh, encore un! Attends, mais ils sont côte à côte. Tout va bien. 8, 9 sur 10? Comment ça? 7 et 9? Ah, mais parce que j'étais déjà à 7, il devait y avoir un bug. Oui, il me semble que ça a affiché 2 fois 7. Ça doit être pour ça, ça a dû faire 7, 7, 9. Ok, donc ça veut dire que prochain, ça réveille le serpent peut-être? Let's go. Oula. Big tunnel. Oh, il y a un capi. Je t'ai vu le capybara là, tu vas pas t'échapper. Viens là. Une dentine du cul, ça me fume. Viens là, j'ai dit. Putain, il court vite. Oh, il m'emmène sur le dernier. Viens ici. Je vais te faire courir, moi. Viens là. Non. Hop là. Ok. Alors, est-ce que Bobby peut sauter suffisamment? Oui. Ok, nice. Là, mon chat, quand elle fait une connerie. Viens pour là. Oh, il se réveille, ça y est. Oh, il va rentrer dans les trous et tout, dans les trous prévus à cet effet. Tu es où? J'arrive, petit serpent. C'est par où déjà? Bon, le chemin a l'air de descendre ici, on va y aller. Pétard. Ok, c'est par là. Ouais, j'ai vite parlé. Hein. Ok, il est là. Snake. Hi, bro. Et on va sauvegarder ici. Boum. La phobie du snake, c'est l'heure d'aller manger. Ah merde. Force à toi, Sorbio. Je savais pas que t'avais des phobies. Et... qu'il y avait des phobies de serpents. Regardez, le snake, il a pas d'yeux. C'est comme le poulpe et comme moi. J'avais dit. Attendez, je peux pas le grimper. 8. Attends, pourquoi je peux pas. Pourquoi je peux pas le grimper? Laisse-moi te grimper. Tu vas où comme ça? Laisse-moi te grimper. Bonjour. Hello, dear snake. Bonjour. Il a un truc sur le front qui brille quand même. Oui.
Ah. Il y a des trucs qui brillent aussi. C'est... Ah. Attends, il y a eu un truc. Hein. Un instant. Peut-être qu'il faut que je grimpe sur le... Oh, ok, ça me fait mal. Ah ok, il y a le bout de la queue qui brille. J'aille par là. Bonjour. Ok, je peux m'agripper que sur ça. Et donc là, faut que je cours. Et faut que je dodge les parties qui brillent. Ok, j'ai compris. Faut que j'arrive à aller jusqu'à sa tête. J'ai compris. Ah, je pense que c'est un fan de Shadow of the Colossus. Bon, attendez, j'attends que ça brille. Oh, attends, quoi? Il faut que je saute? Ça brille tout le temps? Faut que je me souvienne. Faut que je saute. Hi. Ok, c'est ça. Non! Attends, mais je pouvais... Non, je peux pas grimper, ça me met la barre, mais je peux pas grimper. Ok, ça va être dur. Moi, ça va être dur. Oh, le capybara! Regardez-le! Attendez, non, faut que je le chope. Viens là! Non! Attends, mais j'ai une autre mission à faire, moi, voilà. Pas le temps de niaiser. Ok, on va y arriver. J'y crois. Hiu! Hiu! Ok. Oh, oula! Ok. Ah, ok, on peut un peu s'agripper, mais sur le dessus seulement. Quand il fait des U, c'est le moment où faire de la merde. C'est le moment où faire de la merde. Oh! Attends, j'avais pu grimper, là. Parce que... Non, mais relève-toi, Bobby! Bobby, fais... Tu me déçois. Oh! Attendez. Oh, j'ai grugé le jeu. Incroyable. J'ai peur parce qu'on les voit plus, les... Je crois que c'est les écailles jaunes, hein, qui font bzzzt. Non, putain, je suis une merde. Oui, alors peut-être... Oh, nice. Aïe, aïe. Oui, non, ok, je reste. Aïe, aïe. Oh, c'est dur. Mais réveille-toi, voyons. Oh, il a pris cher, il boite. Okay. Ah ouais, non. En fait, il y a des parties qui sont vraiment trop longues. Et tu peux pas les passer... Tu peux pas les passer juste en sautant. Faut vraiment se servir de quand il se fait un U. Ok. Ça, je peux le sauter. Sauf si je fais de la merde comme ça. Putain, ça va être dur. Oh, comment ça va être dur? Et c'est pas facile, hein. Il va en avoir marre, il va se barrer. Ok. Youi! Youi! You! Je prends pas assez mon temps. C'est ça mon problème en fait. Ok. Faut que je prenne plus mon temps. Y'a pas un monde où je saute depuis plus haut? Et je lui tombe direct sur la tête, en vrai. Je réfléchis, mais je me fais peut-être chier pour rien, là. Attendez, je suis un débile. Si je vais genre là-haut, et que je saute avec mon parachute et que j'essaie d'atterrir sur sa tête, bon, c'est extrêmement dur parce qu'il y a très peu de maniabilité dans les airs, en fait, mais... Mais il bouge... Ouais, en fait, je vais attendre qu'il arrive vers là. Et je vais essayer de l'atterrir dessus, hein. Attendez, on va essayer un coup. Ça coûte rien d'essayer. Parce que là je suis en galère, hein. Je suis trop nul. You. Allez, viens me voir. Oh, il a pas l'air de bouger. Il a compris ce que je voulais faire. Si, ça va, il bouge, ok. Et je pense, ici, c'est pas mal. J'attends qu'il vienne. Il a l'air de venir vers moi, c'est bien. Parfait. Oh, merci d'aller. Oh!
Pourquoi il y a eu deux trucs? Qu'est-ce que... Il y a eu deux alertes de sub. Je sais pas pourquoi. Elle a à moitié buggée. Elles sont buggées les alertes ce soir, je sais pas ce qui se passe. C'est pas la première. Allez, viens! Viens me voir! Est-ce que je devrais monter plus haut peut-être en vrai? Attendez, le temps qu'il arrive, il y a le temps. On va prendre de la hauteur. Technique balsamique là. Il met tellement longtemps à se déplacer, je pense, j'ai le time. Qui passe à... c'est une autre alerte de sub que celle que t'as eue. Qui a proc en superposé. Du coup, j'ai cru qu'il y avait eu deux subs, donc je me préparais à faire mon alerte. Ah, mais c'est parce que t'as sub pour 3 mois d'avance. J'avais pas vu. Ah, merci beaucoup. Et ça a dû superposer les alertes, du coup. Ça doit être ça. Ok, oh, il est là, vite. Youi! Ok. Est-ce que le jeu a prévu qu'on triche? Hé hé, non. Chiche! J'ai grugé le jeu. Nice. Quand on n'a pas la dextérité, on a le cerveau. Ok, niveau suivant. Attendez, faudrait que je sauvegarde peut-être avant. Boum. Donc là, le serpent, il va être réveillé. Il va y avoir tout un délire de suivre le serpent. Ça va être ça. C'est sûr. C'est sûr que c'est ça. Oula, non, pas du tout. Le désir sensoriel. Ok. Oh, waouh. Ok, où vais-je le jeu? Par là-bas. Je note. Pourquoi c'est jamais suivi les papillons? C'est vrai ça. Pourquoi c'est suivi les vieux serpents de mort là? Et j'aime bien ma théorie de tous les mobs sont aveugles, moi je suis aveugle. Ça doit avoir... Oula, il doit y avoir une raison. Et je suis bien tombé. Est-ce qu'on peut save ça? Non. Adieu! J'ai glissé. Chef. On dirait des gros doigts, des grosses mains. Ah, le désir sensoriel, c'est peut-être fait exprès. C'est une métaphore des doigts. C'est Elden Ring ou quoi, là? C'est quoi les machins qui brillent? Ça fait mal, je pense. Ah non. Ouh, ok. Il faut tout ce que je désactive. Il y a un délire comme ça. Je répare l'arbre ou je ne sais quoi. Il y a un délire du genre. Gagou, gagou, on dirait que je suis en train de marcher comme un bébé. Hop là. Pourquoi ça fait des bruits d'ordinateur? Oh, il bouge! Comment ça marche? Qu'est-ce que... Oula. Il bouge un peu, mais pas beaucoup. Ah, il y a des veines. Il y a des vaisseaux sanguins. Il s'active et il se désactive. Qu'est-ce que ce bordel? Attends, il y en a qui font de la fumée. Il y en a certains qui ont de la fumée au-dessus. Et d'autres pas. Faire attendre. Non, tous, hein. C'est quoi le délire? Y'a un truc que je capte pas. Peut-être juste aller vite. Ok, aller le plus vite possible. Ça grimpe. Oh pétard. Ok. Voilà. Oh,
désactiver vite en fait, c'est ça le délire. Il aime bien. Plaisir sensoriel, c'est ça en fait, il aime quand on le tripote. T'aimes ça, hein? C'est une grosse main. Ok. Ça l'active. C'est des terminaisons nerveuses et c'est j'envoie des impulsions électriques. Comme le cerveau dans les doigts, quand on bouge les doigts. Voilà, voilà. Il bouge encore là ou il a fini? Je crois qu'il a fini. Ok, putain, c'est intéressant en vrai. Hein. Les métaphores utilisées, les trucs. J'aime bien. Bravo. Par où je vais? Par où on continue? Et j'ai l'impression qu'on peut continuer, mais je sais pas. Ah, y'a d'autres trucs. Ah, c'est un cerveau ou pas? Imaginez, le dev il est aveugle. C'est possible en vrai. Oh, y'a un autre truc qui brille là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh waouh! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je cours beaucoup plus vite! Oh non! What happened? Adieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc qui a brillé. On est d'accord que ça m'a buff ma move speed, je suis pas fou. Qu'est-ce que... C'est quoi ça? C'est un caillou? Ouais, c'est un caillou, ok. Peut-être que je suis complètement fou, hein. Peut-être que ça m'a pas du tout buff ma move speed. Attends, mais quoi? Je peux pas remonter? Comment ça se fait que si je prends un caillou, je suis obligé de mourir et donc cramer un caillou pour revenir? Ah non, alors faut aller par là. Alors retourne à la main. Viens là, capybara. Suffit. Hop. Ok. Intrigant ce niveau quand même. Très intrigant. Oh bordel. Ouais, le choix des couleurs il est intéressant. Merde, mais par contre qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'arrive à jump sur la main depuis ici? Des trucs, mais c'est pas ça. Qu'est-ce que ça va être le gros mob du coup de ce niveau? Non, je comprends pas où je dois aller, c'est trop grave. C'est moi qui suis stupide ou peut-être en vrai là? Non. Oh waouh! Merde, j'ai raté un jump. Zut. Est-ce que c'est ça vraiment? You! Mais non, c'est même pas ça. Hein. Mais je vais d'ailleurs en boucle. Attendez, on va revenir à un point de contrôle parce que. Rien bité du tout, moi. On va revenir là où il y avait la boule bleue. Ok, j'ai pris la boule bleue et je l'ai prise pour de bon du coup. Maintenant, faut que je fasse gaffe parce que ici, il y a des trucs qui pchit. C'est où qui m'avait niqué le machin? Arrête! Wow! Ça va pas? Ah mais je suis con. Ça doit être des trucs qui peuvent m'envoyer dans les airs si jamais j'y vais avec ma paravoile. Genre. Ok. Vas-y. Pas du tout.
Mais genre vraiment pas du tout quoi. Ah si. Bah, ok. Ok. Là ça peut me faire monter au niveau du dessus. Ok, hop là. Là ça me fait juste chier par contre. Ouais, ok, il spawn dès que je marche dessus, il spawn pas aléatoirement. Non, not like this. Okay. Donc il faut sauter en bas et c'est dur. Adieu. Non, ça va. Adieu. Ok, lui il m'envoie en arrière. Il y en a qui m'envoient en haut, il y en a d'autres qui m'envoient vraiment en arrière. Quand il m'envoie en arrière, je pense qu'il faut que je descende ou que j'aille. Je suis d'à côté. Putain, c'est dur, ça glisse et tout. Ok, on va y arriver. Non, on va pas y arriver. Oh bordel. Alors. Doucement. Ok, il y a de l'herbe. Lui doit m'envoyer en haut. Ah non, je l'ai juste passé, ok. Ok, il y a une main là-bas. Nouvelle main. Bonjour. Ça va? Merde, Jinx. Les chiffres qui apparaissent quand tu meurs, c'est tes vies restantes. Ouais, c'est ça, c'est des vies qui me font respawn pas loin de là où je suis tombé. Est-ce que si j'en ai plus, je respawn aux sortes de petits amas de pierres que je prends comme point de sauvegarde des fois. Ok, on l'a activé. Continue mon ref. J'en ai plus là. Si, là. Vas-y, active-toi. Il y en a un là-haut. Le concept est marrant. Je vais tomber. Hi. Ok. Attends, pose-toi deux secondes, t'as raison. Non. Oh fuck. Je reviens dessus ou pas? Oh non, est-ce que je dois tout refaire ou... Ok, non, il est encore en train de bouger. Mais comment j'y vais du coup maintenant? Oh, il est flippant un peu. Ok, par là. Ils ont tout prévu. Ah, on s'active. Je me repose un peu. Je fais pas assez gaffe à ma stamina en fait. Allez. Merde. Ça c'est la tête du truc, j'ai l'impression. Non putain, c'est pas accroché. 3 vies. Et pourtant il continue de grimper hein. C'est bien, on avance. Ok. Ah non, juste là j'aurais de. Ok. Un peu là, on en a deux juste là. Je crois qu'on grimpe hein. Ah, il a fini. Non,
T'as fini ou pas? Il a pas l'air d'avoir fini en fait. T'en faut plus. Et où? Ouais, si, t'as fini. Ok. Hop. Point de sauvegarde. Nice. Il y a un autre truc qui brille là-bas. Ça va pchiter ou pas? De pH? C'est quoi pH? Nul. Le YouTube du cul. Ah. D'accord. Ok, je l'avais pas là comme ça. Je dois être trop pur. Vraiment pas. Bon, attendez. Tu peux monter là, Bobby. Oh, Bobby! Pas d'effort, Bobby. Hein. C'est terrible. C'est terrible. Je suis sûr que c'est tout con en plus. Toujours quand je cherche compliqué que c'est. Que c'est facile. Voilà, c'est genre ça. Qui est en bas là. Ouf. Oh, je dodge tout. Voilà. Attendez, je devais aller où? Je suis pas en train de retourner sur mes pas, j'espère. Y'a moyen que si, hein. Ah, je suis carrément en train de retourner sur mes pas. Mais... est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on a un point de contrôle? Boum. Eh bien... arrêtons de faire de la merde. Ok. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il va y avoir un geyser qui va m'envoyer sur le truc en face, c'est ça? Pitié. C'est pas ça. Oh pétard. Attendez, faut que je reprenne la main? Maintenant qu'elle a bougé là, elle peut faire autre chose? Je sais pas. Non. Et tu es con, Bobby. Ok. Allez. Active-toi. Qu'elle doit continuer encore. Parce que sinon, je vois pas hein, comment je traverse sans elle. Je sais pas si je vais pas assez vite ou... active pas hein. Peut-être je vais juste pas assez vite. Elle a l'air d'avoir plus surtout. Ah bah, j'étais juste trop lent. Au moins elle avance. Elle avance. Plus vite.
J'ai l'impression que c'est le safe spot ici. Allez, continue. Nice. Bon, il a l'air de se mettre en position pour avoir fini là. J'avais du stamina, j'avais pas vu. Mais ça va. On va pouvoir monter. Elle a fini, t'as fini? Tu bouges plus. Tu bouges plus. Oh, débile. Je crois que t'as fini, hein. Non. Moi, j'ai fini, en tout cas. Oh. Ou pas. Oh, capybara. Attends, y'a un capybara, fallait se sacrifier pour le choper, ça. Ok. Ah, il avait... Ça m'a remis un peu avant. Allez, bouge! T'étais bien, là. Tu vas où? Attends, il retourne en arrière, ce con. Non, non, reviens! Non! J'ai troll. Ok. Fait chier, il est revenu en arrière. J'ai dû le réactiver. Eh ouais, non mais reviens. Mais non, mais pourquoi tu repars comme ça? Eh, tu trolls, hein. Je comprends rien à la mécanique, en vrai. C'est pas clair. Là-bas. Bip-bop, bip-bop. Ouais, je pense que ce bruit, c'est quand il a fini, en fait. Et là, je le réactive. Je le mets en branle. Il part dans l'autre sens. Non. Ça a l'air très spécial. Ah là, t'es sur une partie particulièrement... prise de tête. Bienvenue en tout cas, Artakama. Ok, on repart, ça y est, on va dans le bon sens. Oh. Je sais pas, ça se trouve, il y a un truc de faut que j'appuie sur les bonnes terminaisons nerveuses pour le faire aller là où je veux, mais. Bon, je pense pas que ce soit aussi complexe. Ok, non, là il est juste en branle vers le bon côté. Je vais tomber, plus stamina. C'est bon. Ok, il faut que j'arrive à aller sur la partie haute. À gauche. Allez, continue. Y'a pas un petit éclair là? Ah voilà là. Accélère! Et là, il est arrivé. Non, pas encore, t'es pas encore arrivé? J'ai pas vu le stamina. Ah, ok, il s'est désactivé, ça veut dire qu'il a fini. T'as fini? Tu repars pas dans l'autre sens? Hein? Non? Non? Il repart dans l'autre sens. Vite. Ok. Youi! C'était pas ça? Putain, je comprends pas. Ou alors c'est que j'ai arrêté d'appuyer sur les trucs et il s'est arrêté. Est-ce que j'ai pas assez appuyé sur les bzbzt et il s'est arrêté? Ou est-ce que genre juste je l'ai... Je suis pas allé assez haut.
Il fallait que je jump plus haut. Au bout du truc, je sais pas du tout, c'est trop bizarre. Putain, on va devoir recommencer, bon tant pis. C'est un try and die. Non, surtout un die. Ok, vas-y, on s'accroche. On va y arriver. Démarre. Alors pour qu'il démarre, il faut lui en envoyer pas mal. C'est un délire de terminaison nerveuse, mais genre d'appuyer sur les bonnes. Il se désactive tout seul au bout d'un moment. Ça, c'est sa tête, on dirait. Genre, il est smart. Tu es smart. Va jusqu'au bout. Tu es capable d'accomplir de grandes choses. Bouge. Alors pourquoi il a bougé quand je vais activer la tête? C'est complexe. Et là il s'active. Quand je fais 7 de 3 de 3 bits, il aime bien. T'aimes bien. Active-toi. Ah, il monte là. Attends, il fait quoi? Tu t'arrêtes jamais. Tu t'arrêtes jamais, par contre, moi je m'arrête totalement. Putain de merde. J'arrive! Appointeuse pour la boutade. Appointance, par contre, je sais pas lire. Non, il est reparti, ce connard! Mais pourquoi tu fais ça à chaque fois? Tu me déçois de plus en plus. Ah, il repart. Tu repars dans le bon sens, là. Ah oui, ok, c'est ça. C'est faut que je continue à le spam. Tu vas là-bas, j'ai dit. Non. Continue. Ouais, t'aimes ça quand je te bisbite, ouais. Vas-y. Ok, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Faut que je... Le traque sans relâche. Vas-y. Grimpe. Youi. Allez. T'es au bout, là. Ok, en vrai, je pense qu'on est bon, là. Je pense que ça suffit. On est suffisamment haut. Voilà. Allez. Oui, point de sauvegarde, c'est ça. Hop là. Oui, il est bizarre ce gros phasme. C'est bon, on a réussi à avancer. Maintenant, les gros fils bizarres. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut que j'aille au centre, je pense. Ah, il y a encore une orbe bleue chelou là. Ok, faut que je jump là. Il y a un point de sauvegarde ici. Aïe. Alors, ça va me faire pst, c'est ça? Ouh, okay. Ouh, là, ça m'envoie loin. Il faut qu'on passe à droite, du coup. On saute à gauche. Non. Dans le vide, ça marche aussi, ouais. Pas mal. J'ai plus de cailloux, hein. Depuis un long moment. «
Oh là là, ça va être... ça va être long. Parce qu'il glisse le chemin de droite. Tout petit. Je le vois venir le jeu là, je sais qu'il va mettre un truc. Non! Oh ta mère! Attends, quoi? Feur, MDR. Non! Je vais pas tomber. Ok, c'est bon. Faut aller où là? Il fallait juste passer pendant qu'il a la demi-seconde où il est pas activé. Et là-bas, il y a une boule bleue. Et qui dit boule bleue dit. Est-ce que ça fait courir vite? Je sais pas. Ah oui, je cours plus vite. Parce que dès que je vais die. Ouais, dès que je prends un petit dégât, ça s'enlève. C'est quoi qui a fait ça? Est-ce qu'il y a des pchit-pchits là? Non. Bon, le jeu me dit d'aller là-bas. Ah, il me montre le prochain point de sauvegarde à chaque fois en fait, c'est ça. Nice! Ok. Le next. Jusque-là, pas très dur. Ok, il est là. Horrible ultrason. Ah ouais? Ah, j'ai pas entendu. Enfin, j'ai pas. Ça m'a pas choqué, moi. Ça là, ce son? Oh, ça me gêne pas. C'est un peu weird, mais ça va. Juste avant. Ah, il y a peut-être eu un bug sonore. Des fois, j'ai des bugs son quand. Sur les sons des jeux que je stream. Je sais pas pourquoi. Ok, point de sauvegarde. Oula, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Attends, mais on dirait le calmar qui m'a aidé au début, lui, en fossilisé. Non! Oh, j'y ai cru, j'ai cru que j'étais dead. C'est super bizarre. Youi! Le jeu me dit d'aller là-bas. Non, 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 non! Oh non. Oh non. Adieu. Ouais, bob, bob, bob. C'est le jeu? Ah, vraiment? Je suis un ananas. Ah ok, faut aller au centre de ce truc là. Là où ça brille. Ah ça là, ce bruit là. Je vois. Non. Pourquoi je fais le con aussi? Adieu. Bon. Y'a pas un monde où je peux m'agripper à ça et juste faire un chemin safe? Non. Bien sûr que non. Attends. Ah non, non, c'est trop courbé, je pourrais pas monter. Oh, putain, le level design, je me dis, il a dû se casser le cul hein, pour faire tout ça. Y'a de l'herbe ici, en mode on peut marcher là-dessus? Ah, là-bas, il y a un point de sauvegarde. Oh
Général intervent puis remanier peut-être. Ouais, peut-être bien. Ok, on court. Oh, c'est beau. On a quelques bribes de sensations et après. Et après on redevient aveugle. J'ai l'impression que c'est un peu la métaphore choisie. Non. Il y a un bail là, faut sauter. Oula, je suis mort direct. Ouais, c'est devenu très gris là. What the f... Oula, oui, j'ai pris un hit pendant la course, c'est devenu beaucoup plus gris que d'habitude. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est un bug ou c'est voulu? Ah ouais, ça dure de moins en moins longtemps, en fait. Oh, puis j'ai de moins en moins d'énergie, en fait. Ah, oh, oh, je marche tellement que je suis lent. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que ça veut dire quelque chose par rapport... Il y a un truc avec les sensations, le cerveau, les terminaisons nerveuses, le fait d'être aveugle peut-être. Faut pas les prendre. On dirait de la drogue. Peut-être la drogue aussi. Hein. Genre en mode de départ, c'est bien, ça dure longtemps, tu te sens boosté. Et plus t'en prends, moins ça dure longtemps. Et plus c'est plus le fallback est dur en fait, genre, je sais pas comment expliquer. C'est peut-être ça en vrai, hein. Il y a moyen, hein. Moi j'étais sur le délire d'aveugle parce que le gamin il est aveugle, mais je sais pas. Ok. Eh bien c'était le niveau bizarre avec la main. Prochain niveau. Oula! On a une torche! Le doute. C'est flippant. Il y a vraiment des chapitres et tout, ça fait penser vraiment à Jusant. En effet, je suis en train de douter par où je dois aller là, c'est compliqué. Ah. Là peut-être. Non, c'est pas ça. Ça peut pas être ça. Recolofox. Merde. Là? C'est pas de là où je viens ça? Ah non. Oh, je vais me perdre tellement facilement. C'est terrible. Et comment le jeu, il est très cool. Mais space un peu quoi. J'essaie de comprendre les thématiques abordées, c'est intéressant. On a plusieurs théories hein. Est-ce que du coup vu que le niveau, la fin du dernier niveau fait penser peut-être à la drogue, est-ce que tout le jeu est une métaphore de la drogue? Ou juste le niveau d'avant? Ah là c'est compliqué par contre. Il y a tellement de chemin, je sais vraiment pas où je vais. J'y vais au pif. Tu veux voir? Ouais, ça a l'air d'être par là, hein, plus ou moins. Et je suis con, j'ai le bouton pour voir de toute façon. Ok. Il me dit d'aller là-haut. Ok. Il y a un autre chemin ici. Ok, par là-bas, mais bon. Pour l'instant, on peut pas aller là-bas. Si je saute... Non. Ah, j'ai plus mon parachute. Ah, j'ai plus mon parachute. Ok. Ça va être plus dur. Attends, mais je suis où là? Par là? Ouais. Bonjour. Ah! Ok, il y a un chemin. Bonjour. Ok, il y a un capi, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Un capi papa.
Je dis ça, mais je viens de descendre. Et j'ai eu bien raison de descendre. Aïe. C'est quoi ces trucs là? Ah! Attends, est-ce que je suis revenu au début là? Tout à l'heure j'étais passé à gauche. On va passer à droite. Moi au lit, t'as 10 secondes. C'est bien bon, miam, délicieux. Les vitamines, waouh, pas de sucre. Oh là là, en plus c'est pas cher avec le code Nakatine. Trop bien. Plein de goûts différents. Waouh, de l'énergie pour toute la journée. Oh là là, il y a aussi des thés et des versions hydratation pour le sport. J'aime bien. Ça fait un peu plus de 10 secondes, mais voilà. On est là. Attends, faut sauter là. Yout! Pas du tout. Aïe, oui. 6 sur 10 peut mieux faire. Comment ça, c'était parfait? Je vois pas de quoi tu parles. Ok. Oh, j'ai envie de faire un truc pour Oli. Quand vous me tendez des perches pour puber au lit. Fallait boire dans la gourde et faire ah. Elle est vide, j'en ai pas là. J'en ai bu ce matin, mais j'en ai pas fait avant le stream. Mais j'ai envie de prendre le l'OP au lit de E, également appelé Roro, qui met sur sa chaîne YouTube où il explique très bien, et je remplace. Je remplace son code à la fin par moi qui dit mon code. Comme ça, je vole littéralement le travail de quelqu'un d'autre. Pas mal. Faut que je m'habitue à voler le travail des gens sans les créditer. Faut que je commence à faire du YouTube storytelling un peu là. Attends, c'est par là? Oh shit. Hey, Gégé! Non! Oh, je ragdoll. Tu es vivant, Bobby? Tout va bien. Mais attends, mais j'étais là tout à l'heure. Ok. Bon. J'ai compris. Et je pense qu'on est dans la sauce parce que le niveau s'appelle le doute. On n'y voit rien. On doute de là où on doit aller. Et moi, quand il s'agit de trouver le bon chemin, vraiment que le jeu me demande de trouver, bah, disons que c'est compliqué, quoi. Chapeau. Youi! Ah, attendez. Yep! Ok, là je suis tombé là tout à l'heure, donc autant juste pas tomber. Wait. On continue par là. Nulle part où sauter là? Non. Ça glisse. Le doute. Putain, je suis en plein doute là. Et bien le niveau. Yui, adieu. Oh, je suis pas mort. Oh, wait. Petit chemin dérobé secret. Yui. Il y avait un patch de terre juste là. Oh. Attends, je suis pas mort, je crois que j'étais tombé dans le vide. C'est chaotique, ouais, c'est full chaotique. Hein. Attends, faut descendre au lieu de monter. C'est le début, c'est littéralement le tout début. C'est le tout début. Je suis revenu tout en bas. Let's go. Ok, pas de doute. Je suis le chemin. Toujours le même chemin. Peut-être c'est ça la métaphore. Il faut pas douter de là où on va. Je vais tout droit dans cette direction. Ça marche pas. Super. Ça va pas durer très longtemps. Peut-être faut suivre les gros champignons qui brillent aussi, ça c'est peut-être peut-être un élément de game design qui pourrait m'indiquer là où je dois aller quoi. C'est pas bête. C'est pas bête. Prochains champignons, ils sont où là-haut? Y'a des champignons par là? Pas trop hein. Y'en a un là.
Attends, on va continuer à voir si on... Oh, il y a un capybara. Ok, capybara égale, je suis sur la bonne voie. Champignon là-bas. Champibrille. Mais comment faire? Peut-être descendre par là, pour ensuite remonter. Oh, peut-être bien. Peut-être bien. Par là? Non, c'est juste un jeu de lumière, y'a pas d'escalier. Champignon. Ah mais j'ai... What? What? C'est là où j'étais tout à l'heure, ça, non? Ah, peut-être pas. Ah non, ok, je crois que j'ai réussi. Putain, je comprends tellement l'air. Là, il y a un champignon au bout de la, au bout du chemin. Un champignon au bout du chemin. Sauvegarder, point de sauvegarde, ok. Et là, maintenant, on est dans une autre partie du doute. Là, il y a un champipi. Mais il n'y a pas de chemin. Peut-être par ici. Oui, c'était ça. Ou le gros champi. Ouah, on n'y voit rien. Hop les. Hop les. Alors. Est-ce qu'on saute au hasard là-bas? Non. On va être plus smart que ça, on va aller là où il y a un grand espace où on peut marcher. Voilà, c'est bien. Il y a les capybaras, donc c'est que c'est bon. Ouh. C'est pas tout à fait bon. Attends, quoi? J'ai pas envie de tomber et de descendre. Attendez, mais le jeu peut me dire, ouais. Prochaine sauvegarde est par là-bas. Ça veut dire quoi ça? Alors ça veut dire que c'est par là. Hein. Merde. Oh ça pue du cul. Je crois que j'ai fait nimp. Je crois que c'est pas du tout ça. Oh non si, attendez. Bon. On va revenir au point de contrôle parce que je crois que je suis descendu beaucoup trop bas. Ok. Là-bas. Jusque là, on avait bon. Je pense. Ok, maintenant. Traverser le gros champi, c'est sûr que c'est ça. C'est obvious. Quoique. Est-ce que c'est parce que le jeu voudrait me faire croire? Peut-être, hein. C'est pas merde. Me péter la gueule, ça c'est pas ce qu'il faut faire, c'est sûr. Il y a des chemins et tout par là quand même. Hein. Et puis ça a l'air de m'emmener au bon endroit. Alors peut-être. Peut-être qu'il faut sauter sur ce gros champi. Il y a des capis là-bas, ok. Oh là 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 là. Oh, c'était ça. Eh, hey, il est smart son game design quand même. Hein. C'est un peu chaotique, mais il y a de l'idée. Genre la première fois, le gros champi m'a fait croire qu'il fallait absolument traverser dessus parce que c'était foutu de sorte à te dire vas-y, c'est par là. En fait, non. C'était le petit chemin dérobé. Bien vu, bien vu. Ouais, il est là le point de sauvegarde. Ok, nice. Eh, hey, ça te fait bien douter. C'est bien. Next. Plus haut, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors là, ça va être par le champi. Ok. Donc faut régulièrement checker où est le prochain point de contrôle. Pour se faire une idée. Oula. Est-ce que je peux aller là? Ouais. Ensuite, on saute là. Ouais. Prendre l'élan. Youte. Là.
Ok. Et par là, j'imagine. Oh, je vais glisser. J'ai glissé ou pas là? Ouais, mon perso commençait à glisser, donc c'est pas là. C'est vers les champis. Hop. Les champignons, encore une fois, la drogue peut-être. Oh waouh, c'est la fin? Eh, on n'a pas tant douté que ça en vrai. Hein. Nice. On n'y a pas passé trop de temps au final. Ok, 1, 2, 3. C'est l'avant-dernier là? Ok, avant-dernier niveau. Attendez, je vais sauvegarder. On sait jamais. Avant-dernier niveau. Qu'est-ce qu'on va escalader cette fois? Bonjour! La malveillance! Oh waouh! La malveillance! Oh, il y a des... Les formes sont pas pareilles. Et j'ai récupéré mon parachute. Ok. Oh! Je vais me faire attaquer? Qu'est-ce que ça fait? Ça brise des trucs. Quand je m'éloigne... Ça se restructure. Ça voudrait... Mais alors, à quoi ça m'amène? Ah, rien, c'est juste un élément de décor. Ok. Et ça, c'est pas un élément de décor pour le coup. Oh là là. Malveillance max. Paravoile, c'est nouveau. Ouais, je l'ai eu au deuxième niveau. Est-ce que je peux aller vraiment jusqu'au bout là? Ah non, ça redescend. Ok, pas mal. Faut que je cherche des formes étranges par là-bas. Toi là, toi tu vas me faire un pont, ouais. Voilà. Nice. Oh, ça se casse. Oh, faut aller vite. Hus. Ok. Nice. J'aime bien. Platforming somme toute facile. J'ai parlé trop vite. Ok, pardon. Qu'est-ce que tu construis toi? T'es censé faire quoi là? Eh oh. Wabba 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 wab. Le karma, tout à fait. Ça fait quoi, on dirait un poisson je trouve. Je sais pas pourquoi. Peut-être ça n'a rien à voir. Hein. Je peux traverser ou pas? Une tortue, un truc. Qu'est-ce que... Alors mais encore. À quoi ça m'avance que tu construises une plateforme au-dessus de moi? C'est toujours bien ou pas? Ouais, c'est cool en vrai. Il y a des thématiques un peu... On sait pas trop quoi. Ah, il y avait un truc là en fait. Ok, attendez. Là-bas. Méchant, il va falloir le faire en allant par là. Je me demande si c'est un rapport avec la drogue, le truc d'avant, parce que... Une fois que je l'ai dit, ça m'a semblé obvious. Qu'est-ce qu'elle va faire cette forme? Ok, c'est le même genre de plateforme, mais je peux pas monter dessus. Je trouve ça valoir reposant, regardez. Ah, c'est reposant, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça, ça a l'air d'être un truc méchant, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça m'évoque pas du bien. Ouais. Bonjour. Ah, je peux m'accrocher. Le niveau s'appelle la malveillance, donc moi j'ai pas confiance. Hein. Tu fais quoi? Ah, t'es juste là pour me montrer que je peux m'accrocher à toi. Ok, là-bas y'a quoi? Wabba wabba wab. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais toi? Fais rien, t'es juste là pour la déco. Bizarre. Terriblement cher, 20 balles pour un jeu comme ça.
Bah, c'est un mec tout seul en indé qui a développé ça pendant longtemps. Hein. Et en vrai, le level design est assez ouf. Oh, on dirait une main encore un peu qui change de forme. Bon, ça me dit d'aller par là-bas. Qu'est-ce que c'est censé représenter? Je suis sûr que ça a des... Des... Comment ça s'appelle? Il y a des métaphores, il y a quelque chose. Il y a un sous-texte. C'est peut-être par là, tout simplement. Bon, je me dis pas d'aller par là, mais on va voir. Ça, je me demande à quoi ça sert, on verra plus tard peut-être. Je sais pas. Là, il y a quelque chose, là, c'est sûr. C'est spécial. Bonjour. Allô? Y'a rien? Rien. Pourquoi faire? Bizarre, putain. Bon, le jeu me dit pas d'aller par là en vrai. Peut-être juste de la déco, mais. Qu'est-ce que je comprends pas? Ah, c'est rouge et je pouvais m'accrocher au rouge tout à l'heure. Peut-être je peux m'accrocher à ça en fait. Non? Peut-être pas. Je peux remonter par là tout simplement. Ok. Ah, y'a un capi là. Capybara. Ah, ils ont l'air de m'emmener là-bas, hein, mais j'ai pas compris. Pourquoi je comprends à quoi sert ce truc là? Est-ce qu'il y a le même tout à l'heure plus bas là? Et on dirait une tortue. Il y a peut-être un truc à faire avec le truc, il faut peut-être juste que je m'accroche et que je fasse quelque chose. Tu veux que j'aille quelque part sur toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Malveillance. Niveau s'appelle malveillance, qu'est-ce que je dois faire avec toi? Je m'accroche à ta petite couille là qui dépipant. Alors je dois m'accrocher au truc avant qu'il se transforme. Peut-être c'est fait pour m'expliquer ça, je comprends pas. Et autant le niveau d'avant j'ai trouvé assez vite, autant ça. Non. Ah attendez, je l'ai, je crois. Maintenant que je suis en hauteur, je peux peut-être faire ça. Arriver au-dessus de celui-là, voilà. Et tu fais quoi toi? Tu m'emmènes quelque part? Tu vas bouger? Tu... Allez hop! Allez! Bouge! Bouge! C'est pas faux ça, Delgren. Je trouve qu'on a tendance aussi à sous-valuer la valeur des jeux. Surtout dans l'indé. Genre ok, les triple A c'est 60 balles et tout machin, tu vas avoir certains des centaines d'heures, mais moi j'ai déjà payé des triple A que j'ai lâché au bout de 3 heures, que ça m'a saoulé. Alors que là je vais passer quelques heures sur celui-ci, il m'aura coûté 20 balles, je veux dire c'est le prix d'un McDo ou d'un tacos. D'ailleurs on en parle ou pas des prix des tacos Genre il y a une époque c'était 5 balles, moi je me souviens. Maintenant, la dernière fois j'ai voulu commander tacos avec ma copine. Bon, alors Deliveroo ils prennent une part et tout. On est végétarien donc on rajoute des panés végé dedans donc c'est un peu plus cher. Mais genre on a quand même arrivé à 30 balles de tacos. De tacos de viande. Sans rien d'autre, pas de frites, pas de trucs. C'était quand même vachement... vachement abusé. Allez là!
Fais quelque chose. Bon, attendez, faut que je me focus parce que je comprends rien. Il y a forcément un truc que je capte pas. Il y a forcément quelque chose. En tout cas, le niveau, il est malveillant, ça. Y a pas de doute. Oh. Non. Timmy! Non, c'est Bobby, on a dit. Sur X pour sauvegarder, bah ouais, mais... Pas besoin, là. J'ai pas besoin de sauvegarder, j'ai besoin de comprendre. Au moins, il me pète le crâne, ce niveau. On va... Ah, mais peut-être faut juste aller là-bas, en face, en fait. C'est peut-être ça. Mais oui, mais si je suis con, c'est peut-être juste ça. Hop, voilà, là, je récupère mon stamina. C'est juste une plateforme pour se reposer en fait, et je vais m'envoler jusque là-bas. Il y a des capybaras qui jouent, c'est ça, c'est sûr. Ok. C'est ça. Ah mais non, je suis con, mais c'est de là où je viens, je suis un débile. Mais je suis un débile. C'est pas du tout ça. Ok, mais on tient peut-être un truc. Attends, c'est quoi ça? C'est juste un caillou, ça. Juste un caillou. Et puis les goûts et les couleurs, c'est subjectif. Il y en a qui toucheraient même pas un PC avec le bout de l'orteil. On se demande pourquoi ils aiment ça. Pourquoi ils aiment pas ça, pardon. Oui, bah oui. Hop les. Mais alors attendez, du coup. Putain, j'essaie de comprendre. Le jeu me dit vraiment va. Pourquoi il me dit va en bas? Pourquoi tu me dis d'aller en bas? J'ai fait une connerie, j'ai... Ah, c'est le point de sauvegarde, parce que j'ai réappuyé sur le point de sauvegarde d'avant, peut-être. Ah non, mais il y a ça, j'avais pas vu ça. Qu'est-ce que t'es, toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu pendouilles? J'avais pas vu ce truc-là, attendez. Il y a un autre truc, là. Il y a un capybara, ici. Eh ouais. J'avais pas vu. Y'a un truc à faire, y'a... C'est quoi, c'est un caillou là-bas? Non. C'est vrai que là, vous avez tout le contenu du jeu, bon, vous jouez pas, c'est sûr, mais... Vous voyez quasiment tout le jeu. Gratos. De rien. Ça, ça mérite des subs. Max de thunes, max de subs. Alors. Là-bas, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah bah. Combien? Merci beaucoup, Décret. Merci pour les 5 subs offerts. Aïe aïe aïe. Putain, ça marche le super liminal en vrai. Ah, mais y avait un point de save ici en fait! Mais alors pourquoi il me dit. Ah, j'ai raté le point de save, mais je suis un débile! Mais comme d'habitude, hein, quand je bloque sur un truc dans un jeu vidéo, c'est un truc de con! Hein. Moi, les trucs compliqués, j'y arrive, les trucs de con, j'y arrive pas! Hein. Ok. Bah, fallait bien aller par là! Mais alors maintenant, je fais quoi avec ces infos? Toi, tu fais quoi? Tu ne fais rien! Et toi? Ah, attendez, peut-être que je l'ai. J'ai une bonne poire. Ah, c'est pas mal, hein, en vrai. Il y a beaucoup de bonnes poires, hein, c'est ça le truc. Pourquoi vous croyez que ça marche autant quand il y a des gros streamers qui disent « Eh, claquez votre prime !» Et du coup, t'as tous les gens qui disent « Ah ouais, j'ai oublié mon prime !» Et ils claquent leur prime. Voilà. C'est un truc qu'on voit souvent, ça. C'est vrai que c'est bon les poires. N'hésitez pas à goûter le Holy Poire avec le code Nakatine. Le jeu a été annoncé en octobre 2022 du coup. Ok, ouais, ça fait 2 ans que le mec est dessus. Ouais, quand même, t'es pendant 2 ans sur un jeu. Bon, le mec a sans doute un taf à côté. Ça fait 2 ans que tu taffes sur un projet. Je pense 20 balles, c'est pas anodin. Après, ça dépend en fait. Genre par exemple, Among Us, etc. C'est sûr que ça... C'est beaucoup moins cher en comparaison. Oh, attends. Quoi?
à faire là, non? C'est un questionnement marketing de se dire est-ce que je suis prêt à moi mettre tant dans tel jeu et genre aussi c'est le positionnement du développeur qui se dit bon combien je pense que mon jeu vaut, quelle audience je cible. Les gens qui font des jeux indés solo comme ça en général ils mettent à peu près 20 balles, je vais mettre à 20 balles. Among Us ils ont dû se dire c'est un party game. Faut que plusieurs personnes puissent y jouer dans la partie, enfin plein de personnes puissent l'acheter pour jouer ensemble et tout. On va le mettre à 3€. En vrai je dis ça mais je sais même pas combien il était genre. Il est pas genre à 5 balles Among Us à sa sortie. C'est vrai que Lethal Company par exemple tu regardes c'est moins cher je crois même. Je sais plus combien c'est Lethal Company, c'est 10 ou 20 balles. Mais c'est des party games. Quand il y a un aspect multi en général tu veux inciter les gens à jouer entre eux. Pour ça tu baisses un peu le prix. Mais du coup c'est au... En contrepartie, le fait que t'as beaucoup de gens qui vont acheter le jeu quoi pour jouer entre eux. Un ou deux balles à Among Us, maintenant 5, ok. Putain, je comprends pas ce que je dois faire maintenant parce que j'ai. Ça m'avance pas beaucoup au final ce que j'ai découvert. Nouveau point de sauvegarde. C'est sûr qu'il y a un truc avec, avec ça. Est-ce que je peux sauter et m'accrocher? Non. Attendez, ce truc là. Bonjour. Oh waouh! Alors attends, la pierre noire fait sorte de office d'aimant pour le gougou gagac gluant. D'accord. Oh waouh! Pas mal. La fin, le lore, l'ambiance est cool. Ouais, bah l'ambiance elle est cool. Le lore est pas mal caché, mais. On a plusieurs théories. Potentiellement un rapport avec le fait d'être aveugle dans la vie. Potentiellement un rapport avec la drogue. On sait pas trop. Oula. Oula. Ça tangue. Hut ! C'est bon. Les développeurs, ils ont pris de la drogue, littéralement. Non, pas ça, c'est une théorie pour un truc qu'il y avait dans un level. Mais... Ok, enfin la suite. Alors, par là-bas. Vas-y, on avance. Nion. Après, il a géré l'ambiance, en fait. Ouais, peut-être que le rendu visuel... Genre, vaut pas les 20 balles, mais le... Le game design, il y a vraiment eu des moments où ça m'a retourné le cerveau, j'ai fait « Ah putain, le bâtard !» Alors qu'en fait, le truc est super vaste, et t'as l'impression que c'est chaotique et que c'est pas calculé, mais il y a des trucs vraiment... vraiment pensés, assez bien pensés dans le level design. Pour justement un truc où c'est que des grands espaces où tu peux aller un peu où tu veux, le jeu arrive quand même à te surprendre. Est-ce qu'on pourrait finir le jeu ou pas? Ah, tu veux dire le faire? C'est un jeu Souls-like que t'avais vu sur Twitter. Lequel? Celui avec le crabe? Ah non, le... oui, je vois lequel tu veux dire. Le Witch... We Kill Monsters ou un truc comme ça. We Chase Monsters, je sais plus. Un truc comme ça. Non. Les capis. Eyes of P, non. Pour le coup, c'est pas vraiment de l'indé, Lies of P. Je crois, hein. Je crois pas que ce soit de l'indé.
Il veut que j'aille où ce truc? Ça c'est stylé quand même. C'est stylé ça. Oula. On va où là? Wicked Monsters, ouais c'est bien ce qui me semblait. Je vais un peu avec une ambiance un peu sombre, Dark Souls-esque, mais pas vraiment Dark Souls non plus. Du Dark Souls 1D en vrai, le concept est marrant. Non, j'avais réussi à monter sur la couille. Par contre, les speedruns de ce jeu-là, il doit avoir une sacrée gueule. Je savais pas qu'il a été annoncé. Il avait été annoncé genre en mode date de sortie et tout. Faut que je regarde de près. Hein. Ça fait un moment que j'ai pas regardé le Twitter du studio. Attendez, je dois aller par où là? En termes de nom. Ah oui. Ouais, il a un nom. Alors ça part de là. Ça part de là. Et faut que j'aille en bas en fait, c'est ça? Faut que je redescende. Merde, quel con. Je suis vraiment un teuteux. Hop. Bon, c'est pas grave. De toute façon, le jeu veut que j'aille là-bas. Vas-y, on va là-bas. J'ai rien compris. Allez, il veut que je remonte. Un gros malin. Ouais, gros malin. Youi. Oula. Petit bug caméra. Et je me demande s'il y a un truc avec ces chemins là en forme de boule et de je sais pas quoi. Il y a un truc à faire avec ça, c'est sûr. Mais c'est pas ça pour l'instant. Solo ou coop? Ouais, ça peut jouer à plusieurs. Enfin, ça pourra. D'ailleurs, je sais pas comment ils financent leur jeu, s'ils ont fait un financement participatif ou pas du tout. S'ils ont annoncé une année de sortie au moins ou pas du tout non plus. Je me demande. Ah voilà, c'était là. Ok, on recommence. Alors. Ok. On suit le chemin. Je suis vraiment gaze, hein. C'est trop grave. Hein. Après la caméra là, elle est un peu. Elle déconne un peu, j'avoue. Ah mais faut que je regarde comme ça en vue du dessus, c'est plus simple. En fait c'est marrant parce que je vois vraiment des tropes et des mécaniques que Jusant aurait eu. Je fais que tomber par contre comme une merde. Et en fait c'est moins maîtrisé que Jusant parce que Jusant c'est un studio un peu plus gros quand même derrière. Mais là par exemple ce truc de vue du dessus qu'il y a eu pour le labyrinthe tout à l'heure et là qu'il y a pour l'escalier. C'est hyper stylé, mais tu dois contrôler la caméra toi-même sur Jusant. Ils ont réussi à faire le truc, la caméra soit fluide et se mettre automatiquement. Et c'est peut-être un truc qui est un peu compliqué pour un développeur qui fait son premier jeu. If you look hard enough, everything is Jusant. Mais laissez-moi tranquille. Là, c'est vrai, là. Ok. Je me demande s'il y a un temps imparti dans lequel je dois franchir ça. Je pense que c'est en bas, le jeu veut me faire croire que c'est en haut, mais je pense que c'est en bas et ça remonte. Oui. Fais pas le con. Fais pas le con. Oh, Bobby! Putain, j'y étais presque. Mm-mm.
jeu ressemble plus à une démo technique qu'un jeu final. Je suis pas d'accord, parce que démo technique, justement, une démo technique, le but c'est de montrer un peu les mécaniques incroyables de ton jeu. Là, y a pas grand chose de technique. Ils montrent des concepts et des trucs. Des mécaniques de jeu sympas, mais ça. C'est pas non plus révolutionnaire, mais c'est plus une ambiance et un truc. La façon dont apparaissait le giga poulpe au départ. C'était vraiment cool. Bon, attendez, je vais passer par le chemin du haut parce que j'ai l'impression que. Peut-être je suis juste un connard. Et ça se rejoint en fait, je suis un immense connard. Il y avait un chemin plus compliqué, et un chemin plus simple. Après le chemin compliqué, juste pour faire le malin. Putain, mais ça en speedrun, ça doit être marrant à regarder. Un mec qui first try tout là. Ok. Youi. Vite. Non. Je me déteste. Ok, attendez. Ok, save. Ah oui. Parce qu'en soi, tu regardes Getting Over It et ce genre de truc, qui est le même concept en soi, avec moins de trucs... De trucs deep et de lore. Bah, techniquement, Getting Over It, il est pas joli. Tout là-bas, là. Vraiment, là. Ah oui, d'accord. Oh, shit. Oh non. Je sais pas où je vais. Oh, malveillance, tu portes bien ton nom. Malveillance max, le niveau, là. Non ! Oh, le connard ! J'ai glissé comme une merde. Je me TP. Reviens, s'il te plaît. Allô ? Allô ? Oh ! Oh, les cailloux, ils tombent, même quand ils sont assemblés comme ça, c'est marrant. D'accord. Non mais reviens, c'était bien ce que t'as fait. Peut-être qu'il faut que je bouge et que je revienne. Ok. C'est ça. Alors. Y'a un oiseau blanc qui me montre à peu près où je dois aller, c'est ça, non? Oui, c'est vers là-bas, c'est par là-bas, clairement. C'était là où j'allais. Je pense que mon chemin était bon, j'ai juste fait de la merde. Youi. Youi. Non. Ok. 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 Second try, ce serait abusé, hein. En vrai. Ok, fou. Bon, bah, j'aurais pu prendre mon temps plus. C'est malveillance ou malfaisance? Je crois que c'est malfaisance et que malveillance c'est en anglais. Un truc comme ça. Ok, nice. Ouh, la musique qui s'énerve. Ouais, y'a un truc que je vois pas, y'a un monstre. Graou? Il y a un truc qui brille vénère là-bas. Ils m'ont fait peur les capybaras, premier degré, j'ai eu peur. Et non, je dois monter. Mais alors comment? Y'a rien pour monter là, on est d'accord. Prochain point de contrôle est là-bas. Ok. J'ai pas dormi depuis 48 heures, mais t'es un zinzin. Merci Delgren, merci d'être passé. Merci pour les subs aussi. Non. Ok, putain, heureusement que j'avais un caillou parce que je sais pas si j'ai pris un point de sauvegarde ici. Depuis que je suis arrivé, je sais pas, je me souviens plus. Attendez, peut-être qu'il faut que j'aille là-bas, tout simplement. Peut-être pas, hein. Peut-être vraiment pas, hein.
Bonjour. Bonjour. Peux-tu? Il ne veut pas. Hein? Hold up. Hold up. Je suis où? Ah mais non mais ok oui si c'est ça. J'ai pas compris. Si si il y avait un point de sauvegarde, ok. Alors. Bon là il y aura rien. Non mais je suis un débile. Je suis un débile profond. Et malveillance le niveau hein. Non c'est juste moi qui suis con en fait. Il y a un monde où c'est ça mais j'ai envie de me casser la gueule et de tout refaire. Ah non c'est ça c'est bon. C'est sûr. Saute saute saute. Les deux doigts, poilus. Que fais-tu toi là? Ça va tomber? Ouais, ça va tomber, bien sûr que ça va tomber. Le chat, réveillez-vous, c'est un jeu dodo là, c'est normal. Youi! Ok. Glisser comme une merde. Oh ça rapetisse. Oh je rapetisse. Cours Bobby. T'arrêtes pas. Ok. J'ai pas glissé chef. Nice. Ok. C'est la fin du niveau. Je m'attendais à avoir une grosse créature qui fait peur, vu que ça s'appelait Malveillance, mais ça va. Juste le niveau, il avait une ambiance un peu pesante, bizarre. Bizarre, bizarre. Ok, niveau du boss. Niveau de fin, après. Yui! Ok. Le der. Qu'est-ce que c'est ? Tel le soleil derrière les nuages, la liberté et l'apex intérieur demeurent cachés par les obstacles. La littérature traditionnelle, what the fuck, sur la méditation, identifie 5 obstacles de ce type. Oh shit. Ok, c'est un truc méditatif. Wouh ! Contemplatif. Salut la méduse! Ça pique même pas. Hein? Les méduses. Ça va, Elio? Je vais où là? On sait pas. Wouh! Wouh! Est-ce que je peux réussir à monter sur la tête? Ok, attends, mais. Oh le débile! Reviens! Ouh, on s'envole. J'ai découvert Sons of the Forest. Je connais pas du tout, à part de nom. Et le fait que t'es dans une forêt et qu'il y a des trucs méchants, quoi. C'était bien. La suite de The Forest. Ouais, voilà. Tu vas où, la méduse? Oh, je vais tomber. Ok. Je vais bien. Je vais encore être aigri. Oh, Baker l'aigri. Aigri man. Ok.
je vais aller sur sa tête depuis le début, moi. Big jellyfish. Attends, c'est la fin, ça? C'est tout? Il y a juste ça? Wouhou! Un peu décevant si c'est la fin pour le coup, j'avoue. J'ai du mal avec The Forest, Son of the Forest. L'agitation submergée dans cet océan de suppositions, emportée dans le tourbillon de ce qui est à venir, nageant dans les courants du passé et de l'avenir, lâcher prise et émerger. Oui, d'accord. Avec plaisir. Wouh! Oh! Ah, je peux pas m'accrocher à ça. Ah non, c'est pas. Ok, c'est que le début. L'agitation. Ah, c'est. Ok, c'est une métaphore de la méditation et des. Des choses qui viennent te bloquer. Des 5 grands trucs qui viennent te bloquer quand tu médites. C'est ça? Respirez. Fermez les yeux. Faites le vide en vous. Laissez-vous porter par la grosse méduse qui pique même pas. Je vais sur sa tête, hein, c'est quand même plus sympa. Je préfère. Pourquoi t'as du mal avec The Forest Baker? Je connais pas du tout en vrai. Saute. Ça, il aime faire des trucs giga grands, le dev, en tout cas. Hop là. Au bout USB. Ah, le deuxième truc. Youi. La torpeur, perdue dans un labyrinthe de tunnels sans fin. Écrasée par l'ennui, la léthargie se manifeste. Effort vain, écho perdu dans le temps, c'est le moment de se réveiller. Ah, ça c'était le serpent, ok, donc on voit les niveaux qu'on a fait. Ça nous explique le jeu. Pour dire, tiens, t'as pas compris parce que t'es con. Je t'explique. Alors maintenant je t'explique. Oh oh. Tu peux me pêcher s'il te plaît la méduse? Yo. Ok. On est parti. Ok, aurais-je le temps de monter sur sa tête? Parce que là on est vraiment au bout du bout, quoi. Oh! Ok, le dev est donc un bandeur de méditation, si j'ai bien compris. C'est ça ma théorie. Je suis un connard, un gros connard. C'est bon. Bécure qui va pas nous faire sa critique de The Forest dans le chat, je suis un peu dégoûté là. Moi j'étais chaud là. Attends, on est arrivé là. Vite! Oh, elle arrive à fond. Youi! Ok. Alors, c'était quoi le troisième truc? Le désir sensoriel, tournant sans cesse en rond, dans une spirale éternelle de désir, toujours en quête de quelque chose jamais satisfait du moment présent, mettez fin à cette boucle sans fin et retournez à la source. C'était donc ça, le truc des terminaisons nerveuses et tout. Le désir sensoriel. C'est ça, et je pense que c'était une métaphore de la drogue, du coup, les trucs... qu'on a vu, et elle était assez bien foutue du coup parce que j'ai compris, enfin on a compris ensemble vers la fin, c'était assez bien décrit sans jamais montrer de drogue ou même dire noir sur blanc ce que c'est quoi. Pas mal. Pas mal, pas mal.
Les drogues qui sont souvent utilisées, ou les drogues ou la bouffe, en fait, c'est pas forcément des drogues. Genre, ou toutes les trucs qui te procurent de la... du bonheur instantané, rapide. Et qui plus tu spam, plus... Moins ça t'en donne et plus ça va avoir des effets négatifs sur toi. Pas mal. Je me suis pas assez penché sur le jeu pour savoir s'il y a du lourd ou pas, mais c'est juste les indigènes mutants chelous, je sais pas. Ah, t'aimes pas? T'aimes pas les monstres? T'es raciste? Ouais, ya! J'ai glissé. Ah mais non, mais moi je monte sur la tête depuis le début, elle descend. Je suis revenu sur mon tel. Ah. Alors dormir, monsieur. Je vais dormir avec vous, let's go. Ouais, il doit y avoir un lore, je pense. Dans un jeu vidéo, tu fais rarement des mobs au pif, quoi. Qui a un certain rapport avec l'univers et tout. Même quand c'est des zombies. Le doute. Éclairant les coins sombres, en quête de certitude, les ombres de doute me suivent, soulevant des questions sur le parcours. Faites attention, faites confiance au chemin et la vérité viendra. Ok, l'épisode du doute, il était pas mal aussi. Le niveau du doute avec le game design, où justement ça m'a vraiment fait douter sur les chemins à prendre. C'était bien foutu, franchement. Bon level ça aussi. Yee! Hop là, direct sur la tête, c'est bon. Si je ronfle, si flotter, let's go. Oui, bibi, bibi, bibi. Oui, bibi, bibi, bibi. Oh, c'est vraiment le jeu de la contemplation et tout. Après, j'ai moins kiffé que Jusant, hein. Je vais pas mentir, clairement. En même temps, c'est plus court. Après, c'est plus court, pas tant que ça. Hein. Jusant, c'est 5, 6 heures, 6, 7 heures. Je suis en JA Masterclass, bon c'est un studio derrière entier, mais... Mais franchement, pour du solo dev, pas dégueu. Il s'est bien démerdé. Je sais plus combien coûtait Jusant, pour comparer en termes de prix, mais... Je sais plus à combien il était revenu. Après, je crois qu'il était sur le Game Pass aussi. Je crois que je l'avais payé, alors qu'après je me suis rendu compte qu'il était sur le Game Pass, et du coup j'ai fait ah. Bah merde, je suis con. Ça m'apprendra à être con. Mais bon, j'ai donné de l'argent aux devs, donc tant mieux. Je l'ai revu il y a pas longtemps, Hercule. Ah, c'est dans Hercule ça que ça a originé ce bruit-là. Ouais, c'est Pico, Delgren. C'est mon petit oiseau. C'est la mascotte. Pégase. Hein. Ils étaient 230 sur Jusant. Ah oui, c'est vrai, putain. C'est vrai qu'ils étaient énormément, mais... En fait, je pense que tu regardes, tu prends ce genre d'intention-là, tu prends ce jeu-là, tu fous 230 personnes dessus, t'as un Jusant V2 avec... Enfin, un jeu aussi bien, quoi, clairement. C'est énorme, 230 personnes. C'est énorme. Je sais pas si le dev a vraiment tout fait de A à Z au niveau des musiques par exemple et des ambiances sonores, mais c'est bien géré quand même pour une seule personne si c'est le cas. Je suis en galère là. Attends, mais est-ce que depuis tout à l'heure la méduse elle tourne autour du... Parce que ça fait longtemps là quand même. Oh, c'était là. C'était juste là en fait. Je suis une grosse dumps. Je suis une grosse dumps. Attends, mais ça se trouve elle tournait autour depuis tout à l'heure et j'ai juste raté le jump, mais... Wab wab wab. Attendez, je vais sauter tout en bas. Parce qu'en fait elle fait un tour et après elle se remet sur sa tête, je crois. Ok. Allez. Ah là là, elle va faire chier. Non? Oui? Peut-être. Oh là là.
Ok. Donc là, c'est là où j'étais. Et là, elle va continuer de monter. Oula, elle monte vite. Ça me donne envie de jouer Shadow of the Colossus. C'était Review qui s'était encore pris un... Bon, un mini-drama, mais enfin, c'est pas vraiment un drama, c'est juste les gens lui disaient, mais... C'est pas vrai, Shadow of the Colossus, ça a pas mal vieilli. Moi, j'y ai jamais joué, donc je saurais pas dire, mais... Selon lui, ça aurait mal vieilli, et le jeu est vraiment... pas ouf à jouer, maintenant. À contempler et tout, oui, mais à jouer... Dans le gameplay. Dans le gameplay pur, hein, pas dans l'artistique, pas dans rien du tout. J'ai 100% de jeu tellement j'adorais. Ouais, je pense qu'il est... Il y a ces petites envies de temps en temps de faire des... De dire ouais mais... J'ai tout le temps raison. Fallait encore attendre, je suis une grosse de merde. Attends, quoique en vrai... Ah si, fallait juste que j'attende. En fait, son cycle, le dernier cycle, c'est le tout dernier, il est vraiment long en fait, j'y ai pas pensé. Je croyais que j'étais arrivé. Eh bah tant pis, hein. On va juste attendre. C'est mon mauvais. Attends. Ah ouais. Attends, si je me mets comme ça, est-ce que je vais tomber? Est-ce que je vais juste tomber? Y'a quoi le gameplay? Je sais pas. Je sais pas jouer, je saurais pas dire. Mais non, mais accroche-toi, gros débile! Oh là là, on va pas y arriver alors que c'est la partie la plus simple du jeu, quoi. Je suis un gros connard, en fait. Bah attendez, je vais attendre qu'elle... Vous savez quoi? Parce qu'elle repasse par là, en fait. Je suis un débile. Vas-y, je vais attendre là. Je vais juste attendre là. Hein. C'est mon jeu préféré, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Ah oui, en fait, les éléments de gameplay sont secondaires. Je joue pas à Shadow of the Colossus pour ses mécaniques de gameplay. C'est plus ça, je pense, qu'il a voulu dire, mais... C'est quand même, en fait, c'est sympa, t'as le truc... de la simplicité, manette en main, c'est l'aventure, t'es sur ton cheval, t'as ton épée... La bagarre est simple et tout. Hop là. Et je pense que c'était aussi un des premiers jeux dans le délire de pas mettre du UI, c'est ça, genre de pas mettre un gros des menus et tout partout sur l'écran pour te guider. Maintenant, c'est devenu un peu la norme. Je pense que ça a été un des précurseurs là-dedans, de privilégier le ce qu'on voit à l'écran plutôt qu'au... Y'a quasi rien, ouais voilà. Bon, on attend du coup, on attend. Elle va passer. Donc celui-là, je l'ai déjà fait, de caillou. Ah, il est là-haut, ok. C'est la même jauge d'endurance que ce jeu. Ah ouais, non mais le mec est clairement inspiré de... De Shadow of the Colossus. Colossus. Bon, je jump ou pas là? Ou j'attends vraiment bien? Je suis trop impatient dans la vie. C'est un jeu sur la méditation, faudrait que je fasse preuve de patience. Voilà. Oh, le momentum qui m'a baisé. Au moment où je dis ça. Le momentum qui m'a baisé jusqu'à la fin! Mais baise-moi le jeu, vas-y, baise-moi! Mais baise-moi! J'en ai marre. Le jeu, il m'a dit non! Tu médites là, en fait. Tu dois pas sauter, en fait. Tu attends. Tu arrêtes en fait, hein. Gros con. Ça m'apprendra. Oui. Ouais, j'étais allé chercher une musique de Shadow of the Colossus pour une vidéo, je sais plus laquelle. Ah bah oui, si. C'est justement pour le moment où j'imite Review. Le doute. Je doute pas, j'y vais. Oui. Non, pas comme ça.
Ok. C'est quoi Ico? Last Guardian. Je connais pareil juste de nom Last Guardian. Alors pourquoi les mobs étaient tous aveugles aussi? Ça par contre on n'a pas eu la réponse. Enfin tous, il y en a eu deux. Il y a eu le serpent. Il y a eu le comment s'appelle, poulpe, calamar, je sais pas comment s'appelle, la pieuvre plutôt. Et cette méduse, mais la méduse ça a pas de yeux, une méduse. Vous savez qu'il y a des méduses qui sont immortelles? Genre vraiment immortelles. Du coup c'est un jeu PS2, ok. En fait, il y a un type de méduse, je sais plus comment elle s'appelle, enfin une variété, une race, j'en sais rien. Je vais... Là, j'ai juste glissé. Je vais me foutre en l'air. Je vais me foutre en l'air. Des méduses qui peuvent rajeunir, ouais, c'est ça. En fait, c'est des méduses qui... Comment dire? Je crois qu'elles viennent d'une sorte de plante, enfin de plante, de corail, un truc comme ça. C'est des méduses qui poussent sur un truc, qui, une fois que ça a poussé... genre elles se détachent et elles vont faire leur petite vie de méduse, et quand elles sont en fin de vie elles redeviennent une sorte de plante qui pousse et refait une méduse, enfin je sais pas comment, je sais plus comment ça s'appelle, des méduses qui font 1 cm ou des trucs comme ça. Non, peut-être pas des méduses qui font 20 mètres de haut, ça, je suis même pas sûr que ça existe, mais genre peut-être des vraies méduses, hein. Je sais plus, faudrait que je retrouve ça, je sais plus où j'avais vu ça. C'est très intéressant. Hermaphrodite. Non, parce qu'il n'y a pas de délire de reproduction. Justement, en fait, c'est parce que dans la nature... C'est pas la seule espèce à être immortelle, hein, by the way. Dans la nature, il y a... À la toute base, il y a les cellules. Et les cellules peuvent faire 2 choix de vie, entre guillemets. Soit se multiplier, donc se reproduire. Soit être autosuffisante et... Et du coup être immortel. Mais donc se priver d'évolution. Je crois que c'est ça le délire. Le délire des cellules. Mais non, la méduse est pas hermaphrodite. Attendez, je mets juste pause pour... Pourquoi le mot hermaphrodite est en banword? C'est pas parce que c'est genre un terme scientifique... dans le monde animalier, qui est réutilisé mal et pas correctement par des transphobes ou un truc comme ça. Peut-être bien. Je sais plus. Les orques dans Warhammer 40 000. Putain, ne parlez pas de Warhammer là, je suis triste que... On ait perdu les plus grosses pointures de... du lore de LOL. Bon, c'est bon, là, il n'y a pas de momentum, je peux sauter, là, quand même. C'est bon, là, j'ai attendu suffisamment, merci. Malveillance. Envahie par l'aversion, marchant sur des chemins instables, piégée par la rancune, brisant l'unité de l'esprit, cherchez d'autres voies, et la sérénité se manifestera, je sais pas lire. La fleur de lotus, bien sûr, qui symbolise... la paix intérieure. Vos pensées, votre conditionnement mental, votre personnalité, vos souvenirs, tout cela va et vient et change arbitrairement au fil du temps, c'est vrai ça. Votre corps était différent il y a des années et il changera encore dans les années à venir. Dans un rêve, la plupart de ces éléments ont disparu et pourtant vous êtes toujours là. Comment pouvez-vous être ce qui est éphémère et changeant? Pouvez-vous être les saisons? Une fois que tout cela a disparu, que reste-t-il? Oh là là, ça fait réfléchir. Ça fait très réfléchir. Non mais en vrai, bon jeu. C'était sympa. Oh, le petit artwork final. Ah non, c'est une cinématique carrément. Oh, les yep. Ça s'appelle un polype, je crois. C'est le début de la vie d'une méduse. Quand elle est bébé, en gros. Et c'est ce qui ressemble à du corail. Voilà. Merci, Vataza. Et du coup, certaines méduses redeviennent des polypes quand elles sont trop vieilles. C'est ça, voilà. Bien vu. Eh bien, écoutez... C'est quand même bien. Non mais j'ai fait exprès de rater 3 fois à la fin pour qu'on puisse discuter et qu'on finisse pile à 22h. Voilà.
Colossal thanks to Epic Games. Very special thanks, my mother and wife. Il aurait pas dû écrire my mother and my wife. Et pas my mother and wife. Jean-Noël Guénaud. Attends, il y a plusieurs. Ah, c'est les localisations, pardon. Ah, c'est un français du. Jean-Noël Guénaud. C'est un français qui a géré la localisation dans les différents pays. Nice. Ok, il y a des gens qui ont adapté le jeu dans différentes langues, du coup, quand même. Mathieu Fiorilli. Fiorilli. En français. Bravo. Michael Lelièvre. QA by Lockit QA, ok. Ok, il y a quand même d'autres gens qui ont bossé sur le marketing et ce genre de truc. C'est pas solo dev, mais pour le publier. Mais ok. The Mind Illuminated. Ok, il s'est inspiré de bouquins pour ce jeu. Ok. Contemplatif, rigolo. Sympa. C'était un bon jeu. C'était pas le jeu de l'année. Mais c'était pas mal. C'était pas mal, on a passé un bon moment. Bah, j'ai vu le début et la fin. Bah, Gudule. C'était cool. Merci d'avoir joué. Bah, voilà. Capturer toutes les créatures pour accéder au royaume caché du Nexus. Appuyez sur B. Va désormais éclairer leur emplacement. Il y a un New Game Plus. Intéressant. Il y a un niveau bonus, du coup, si on chope tous les machins. Donc, il y a un délire de complétion, etc. Et de bien faire les niveaux en travers, en long, en large. Moi, je vais pas la faire, je pense, parce que voilà, on a fait un stream dessus, c'est déjà pas mal. C'était pas mal.